On m'entend. Salut à tous, bienvenue sur le CTS. Gros CTS, mesdames et messieurs, ce soir. Un casting de folie. Alors, j'ai vu plein de follow, plein de subs et tout. Merci, merci beaucoup. Salut Jay, salut Chief, salut Zajisho, Neo Chris, Meowash, William, Rashquit, Groug. Il y a du beau monde. Ener. Monsieur Panda, Hugo Lisoire aussi, bienvenue Hugo, voilà, ça fait plaisir de t'avoir dans le chat. Pas de son ? Non, Xalu, déconne pas. On est bon. La régie, on m'entend ? C'est bon ? On est bon. Daguid, Stan Batros, merci Daguid, ça va très vite, Nervo. Les gars, il y a du beau monde, ça fait extrêmement plaisir. Bonsoir Jack, les Fagal qui sont là. Très content de vous revoir ce soir. En plus, c'est un gros stream ce soir avec une grosse thématique. On va y arriver. Bonsoir à tous les amis, Massalian. Ouais, thématique, ouais. Il y a du beau monde. Ah oui, allez les gars, envoyez un max de missiles, un max d'émoticônes de votre orga, s'il vous plaît. La Black Sheep, merci, ça fait extrêmement plaisir de vous avoir ici. Sledge qui soutient le CTS, toujours plus loin, toujours plus pro. Merci Sledge, merci Lineset. Voilà, Jay. Aou Aou. Monte Cristo, le plus grand traducteur de la communauté française. Un stream éco plus, effectivement. C'est très éco, les gars, ce soir. Faut le savoir. Là, on a du beau monde. Le pantalon, oui, j'ai le pantalon, Stan, ne t'inquiète pas. Salut, merci pour l'abo. Tiggy qui prend son abo, c'est exceptionnel. Le mur d'émoticônes va exploser. Tif, c'est trop. Merci beaucoup. Au top, voilà, ça fait un peu du bien, la musique se calme. Alpha Tito qui est présent, Lauriad qui est là. On est là, la Black Sheep qui insiste. Je vous ai vu, les gars, je vous ai vu. Le petit logo de Lauriad de Svo. Attention, Piraz Moquette, on est bien. Si OBS survit, peut-être que OBS ne va pas survivre ce soir. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, on est là, on est posé. Oui, non, mais le mur, c'est n'importe quoi, les gars. Là c'est... Voilà, hein. On est bon, Atero, toujours là. Nargit, bien sûr. L'ONR ce soir, attention. Sophie Panmi, Golizor. Le mur, on dirait la 3.0 niveau de l'EP. C'est pas faux. Il y a des missiles dans Star Citizen. Je sais pas, on va essayer d'y répondre ce soir. Encore merci, Tiff. Tu régales. Mams Droopy. Alors, ce soir, on va essayer de commencer le live. Il est quand même déjà 21h09, 10. La régie a pris du retard. N'hésitez pas à la virer de suite, s'il vous plaît. De la CTS Skin, du Raz Moquette. On est bon, on est chaud. Alors, ce soir, le sujet, vous l'avez tous vu depuis 2-3 jours. Star Citizen est-il un jeu de guerre? Voilà, je sais que ça peut appeler la foule à crier. Telle de jeune femme devant Justin Bieber, mais voilà, ce soir c'est ça le sujet avec du beau monde, mesdames et messieurs. Xahu qui vire la régie de suite. Réponse oui, bonsoir. Donc Svo et Nirin côté baston et Igo. Ah, la régie qui a un petit problème. Là, vous allez virer la régie. PVP ou PV du coup? Pas de soucis la régie. Thierry, ça va couper. Ça drop ou ça vient que de moi? Non, dites pas ça. Censurer en direct, terrible. Non, normalement, on stream en 720p, tout va bien. Pile quand il lance les hostilités, je crois que c'est la commande qui casse tout. Ah, c'est peut-être ça. Mais on n'a plus le chômage. On a oublié de remettre en place ça. La régie, moi, tu me dis, je peux lancer les hostilités ce soir très rapidement. La régie, je suis à ton écoute. Est-ce que j'annonce le casting de ce soir, mesdames et messieurs? Ça prend du temps de mettre du charbon dans le serveur pour démarrer. Ça lag ou c'est moi? Ah, il y a peut-être un peu du lag, la régie. Je sais pas. Il y a des drops apparemment, la régie. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? La régie, je t'écoute. Monsieur Panda. Les gars, on va voir pourquoi ça lag, la régie est sur le coup. On va voir. Commande visuelle aux fraises, lâche ce kebab, la régie. La régie a commencé un kebab en plus, il y a quelques secondes. Pourquoi Jack, il est en noir et blanc? On a des petits soucis techniques ce soir, les gars, on a changé de studio. Régie, tu fais quoi? Courage, drop. La régie, est-ce qu'on a une explication là-dessus ou pas? Déconnecte, je suis pas en wifi là par tout hasard. Déconnecte la wifi peut-être là. Moi j'ai le câble, hein, je suis branché sur le câble au moment où je te parle. À côté du petit son. Ouais, voilà, vas-y. Là tu déconnectes au-dessus. Ah ouais, je suis en wifi, c'est peut-être pour ça que ça lag, les gars.
Mais par contre, le câble est branché. Le câble est branché. Bah, tu déconnectes la Wi-Fi. Déconnecte la Wi-Fi. Déconnecte, déconnecte. Je sais pas, ça va peut-être couper le live, mais on va. Et au-dessus, au-dessus aussi. Déconnecte au-dessus. Vas-y, vas-y. Xbox, ouais, celui-là. Clic droit, déconnecter, je pense. Ah, ben, vas-y, on est bon, alors on est bon. Les gars, dites-moi si là ça va un peu mieux. La position latérale de connexion, en fait, ça va mes streams, les gars. Je suis dans les normes. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon là? Dites-moi, dites-moi. J88 a un boîtier 4G. Non, 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 on est fibré, on est fibré. Pourquoi ça déconne là? Pourquoi ça déconne? Est-ce qu'on est bon? Coucou tout le monde, on dirait un disque rayé. Ça lag fort. La régie, ça lag. La régie, ça lag. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Kalec, salut Kalec. Bienvenue sur le stream. Ça drop à fond. Ah putain, on va essayer de régler ça. On va essayer de régler ça. Mais non, là, c'est un. Alors, attends, 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 attends. Alors, attends, on va débrancher la Wi-Fi. Voilà, là, on est bon, la régie. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? On va faire des tests. Relance ton stream, peut-être. Ouais, peut-être qu'il faudrait peut-être relancer le stream, la régie. Vas-y, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ah, là, je suis sur le câble, la régie. Hein. Bon, serveur hébergé chez CIG. Exactement, on est sur les. Sur... Est-ce qu'on est bon, les gars? Est-ce que tout le monde me reçoit? La Exactement, régie, on est sur sache que les. j'ai pas mon Est-ce qu'on retour. est bon, les gars? Est-ce que tout le monde me reçoit? La Exactement, on régie, est sur sache que les. j'ai pas Sur... mon Est-ce qu'on. retour. Ok. Ah, on est bon, on est bon, on est bon, mesdames et messieurs. On a du tout coupé. Le débat, c'était pas dans la salle des serveurs qu'il fallait le faire. C'est mieux. Voilà, je sais pas, je sais pas. La régie, il me faudrait un petit retour visuel parce que là, je ne me vois pas du tout. Je me vois pas sur mon écran retour. On va y arriver, on va y arriver à faire le live. Mais t'es toujours en monochrome. Ouais, mais ça, Atero, c'est une autre histoire encore. Attends, la régie, je vais prendre. Dis-moi quand je peux le prendre. Oh, ça va le faire. On va réussir à le faire ce soir. Alors. Tac, est-ce qu'on est bon? Tac, parfait. La régie, je te rends la souris et tu te débrouilles. GG la régie, tu gères. Jake en vintage pour ce soir. C'est ça. Nouveau type de stream, le streaming. A-t-il un jeu de DDoS, Siriro? Siriro, ça, tu t'y connais. Régisseur, notre sauveur. Production, ça a l'air bien l'instant. Dans l'optique où tu vas passer 100% de ton temps à faire la guerre. Ah oui, Shkiruloulou, il répond déjà. Pellera le jonc qui fait un don de 2 euros pour notre box. Ça fait extrêmement plaisir. Bah, la régie, vas-y, si tu veux, moi, tu me dis où on en est. Je vais essayer de meubler parce que la régie est en train de bidouiller. Mais on va y arriver, on va y arriver. Siruro, Ave Majesté. Je vois que ça se connaît dans le chat. La régie, est-ce que tu peux me donner des indications ou pas du tout? On est bon, on est au vert, on est bon. Ouf! Enor qui offre un maximum de subs, ça fait extrêmement plaisir, merci du soutien. On en a besoin parce que là on est un peu en PLS, les gars. Est-ce que je peux annoncer l'arrivée des chroniqueurs ce soir, la régie? Attention, ça sera avec. Yo D-Lock. Ok, alors c'est bon, on va pouvoir lancer le stream, les gars. Normalement, on est bon, tout est au vert. Ce soir, mesdames et messieurs, pour répondre à la question Star Citizen est-il un jeu de guerre? Nous allons recevoir dans quelques instants, attention à la fois en double, Super Panda, donc l'homme de jeuxvideo.com, le grand, le talentueux, l'un des meilleurs chroniqueurs de la soirée, la Bible incarnée, on l'appelle dans le jargon, dans la communauté. Et attention, le grand, nous on l'appelle le Viking, Zvonimir, attention mesdames et messieurs, le grand streamer de la communauté Star Citizen. Je sais qu'il s'est un peu les je crois qu'il a perdu un peu des cheveux. On va lui demander, est-ce qu'il va enlever son bonnet en direct? On ne sait pas. Mais attention, dans quelques secondes, la régie, je laisse faire. On envoie Super Panda et Zvonimir, les gars. Voilà. C'est rassurant de vous voir, les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, comment ça va, les gars? Salut, bah, ça va très Yo. bien. Très heureux de participer à cette émission qui est toujours de grande qualité et toujours super bien réalisée. Oui. Voilà, une petite punchline envoyée à la régie. Zvo, comment tu vas? Ouais, ça va. Tout va Ouais, bien, ça tout va va. bien. Ouais. Bah écoutez, les gars, merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de cette grande question. Est-ce que Star Citizen est un jeu de guerre? Au suivant, est-ce qu'on peut recevoir le commandant? Est-ce qu'on peut recevoir le commandant? Attention, Nirin, alias N7, le grand commandant justement de la N7 qui va répondre à nous ce soir. Est-ce que Star Citizen est un jeu de guerre? Attention, mesdames et messieurs, dans quelques secondes, la téléportation. La régie, je te laisse faire. Nirin, c'est à toi.
Dernière mise à jour, Nirid, comment tu vas? Alors écoute, c'est assez incroyable, encore une fois, ça fonctionne toujours aussi bien apparemment. Ça déjà c'est rassurant. Ça c'est écoute, rassurant. moi ça va très bien, Jake. Et toi, comment tu Ah bah comment écoute, est-ce tu que vas toi aller, ta fibre etc. va bien? Parce que la mienne a eu un peu chaud, mais est-ce que ta fibre va bien? Écoute, quand j'ai vu un peu le début de ton live, je me suis demandé si t'avais pas un peu récupéré ma clé 4G. Ouais, je sais pas trop, tu Voilà. vois. Je sais pas, je te pose la question. Bon, écoute, ça va mieux. Pour l'instant, ça va mieux en tout cas. C'est vrai que j'ai récupéré Internet mercredi et pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais fais quand même attention à Ok, toi tu ce portes un soir. peu la poisse toi quand même, on va en reparler après. On va en reparler. Mesdames et messieurs, le dernier chroniqueur du soir, à ce qui paraît, il a travaillé pour la NASA, mesdames et messieurs. Il est même allé 3 fois dans l'espace, très grand. Il est même écrivain, me dit la régie. Il écrit un livre, il fait des jeux de société. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vrai, nous allons recevoir dans quelques instants le grand, le dénommé Hugo Lisoire, mesdames et messieurs. La régie, c'est à toi. Très très belle téléportation. Hugo, comment tu vas, Hugo? Bonsoir, bah écoute, ça va bien. Je me sens à la maison ici après un début comme ça, donc Ah, bah écoute, ça ça fait fait plaisir. ça fait plaisir. On a eu chaud, les gars. On a eu très très chaud. Non, mais bienvenue à tous. Ça fait extrêmement plaisir de tous vous avoir sur le plateau. Et puis on va commencer tranquillement. Je vois qu'il y a du beau monde. Alanor de la N7, Dagild qui lâche un peu des billets comme si par-ci par-là. Du beau monde, effectivement, effectivement. Alors, les gars, on va commencer directement. On va mettre les pieds dans le plat. Par qui commencer? J'ai bien envie de commencer par Super Panda. Je voulais savoir pour toi. Avant de répondre à est-ce que Star Citizen est-il un jeu de guerre, comment toi tu pourrais définir Star Citizen? Comment toi tu le vois en tant que joueur? Bah en fait, Star Citizen, moi je le définis toujours comme un MMO spatial qui se déroule en 2950, une époque où l'humanité a conquis les étoiles et où le joueur peut faire toutes les activités qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'il peut faire chasseur de primes, il peut faire ambulancier, il peut faire mineur, il peut faire transporteur. Et donc il évolue dans cet univers futuriste au sein d'une centaine de systèmes planétaires. Ça c'est D'accord. à terme, hein. C'est à terme. À C'est pas terme. aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas une centaine de systèmes planétaires. Mais voilà, je le présente généralement comme ça. Ok. Même question pour toi, Zvo, qui joue très très régulièrement au jeu. Comment tu peux, toi, définir Star Citizen? Bon, déjà, je vais parler à terme aussi parce que, ben, en l'état, voilà quoi. SC, c'est. Enfin, moi, quand on me l'a vendu, et comme je le vois encore aujourd'hui, c'est des possibilités quasi infinies. C'est les joueurs qui décideront. Dans les limites du raisonnable, évidemment, c'est des portes qui vont s'ouvrir, des portes qui vont se fermer. Et ça, c'est aux joueurs de choisir de les ouvrir ou non. Et puis, voilà. Qu'est-ce que tu entends par portes qui vont s'ouvrir et portes qui vont se fermer? C'est vraiment le Dans le gameplay qui va sens s'offrir aux où. joueurs, quoi? En fait, c'est le joueur qui choisit de faire ce qu'il veut faire. S'il veut faire uniquement transporteur, il pourra faire transporteur pendant 10 ans s'il en a envie. Demain, il veut se reconvertir. Bon, il faut qu'il change éventuellement de vaisseau parce que faire de la course en Aurora, c'est peut-être pas ouf. Mais Ouais, 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 ouais. en soi, rien n'est impossible en fait. Ok, d'accord. Tu peux vouloir partir au combat en Aurora, bon, tu vas pas perfer, Ça mais peut, voilà. si tu C'est l'utilises possible. comme une pluie de missiles, ça peut le faire. Ouais, si tu crashes éventuellement. Nirin, toi, comment tu vois le jeu? En plus, toi, tu as vraiment une orga. J'aimerais vraiment savoir comment tu perçois le jeu, en fait. Je rejoins un peu Super Panda et Svo. Je le perçois vraiment comme un jeu très libre, très grand, immense, très riche, dans lequel on aura énormément de possibilités qui seront évidemment définies par les développeurs. Mais oui, je le vois vraiment comme un jeu dans lequel on pourra avoir énormément de possibilités, faire beaucoup, beaucoup de choses en fonction de nos capacités, de ce qu'on a envie de faire. Après, le côté orga, c'est sûr que ça rajoute un truc en plus. Bon, ça dépend quel objectif on se fixe, évidemment, avec l'organisation. Mais ça rajoute un truc en plus et ça. Pour moi, ça augmente encore plus le challenge et la dimension que prend le jeu au niveau de sa grandeur et des possibilités qu'on peut faire dedans. Ok, par contre, ça te choque pas que tu tournes le dos à Hugo, quoi. Enfin, genre, toi, c'est normal. Écoute, tu me Ouais, parles, moi je me concentre sur toi, mais c'est vrai que. mais c'est très Hugo, mal poli en excuse-moi, fait. c'est rien à... de le En plus, prendre pas mal, il a Hugo. un siège énorme et tout, donc je vois Ok. rien, donc ça va être. Je vais rester neutre, les gars, on aura l'occasion, Là, vous ouais. inquiétez pas, de Exactement. laisser se changer tous les deux. Et toi, Hugo, à part Pétanque Simulator, comment tu vois Star Citizen ce soir? Ouais, en vrai, moi Star Citizen c'est un MMO immersif sandbox Ouais. et qui l'est. Ok,
Ok, d'accord. Je crois qu'il manque du son, la régie. On n'a pas du tout entendu Hugo, je crois. La régie, je crois qu'on n'a pas entendu Hugo. Je sais pas pour quelle raison, parce que... Ouais. Hugo Lisoire, plus de son, tu peux recommencer. C'est bizarre parce que... Vas-y, parle. Ah, attends. Oui, parce qu'attends, il est sur la mauvaise scène, il n'y a pas le son. C'est honteux. Les gars, voilà, la censure est tombée sur Hugo. je m'en vais de ce stream. non, attends, pars pas. J'ai entendu immersif, la censure a commencé. Ah, c'est possible, les gars. Alors, la VOIP en rad, exactement, ma peur. La régie, est-ce qu'on est bon là? Fallait reset la VOIP. Allez, vas-y, on peut recommencer. Hugo, toi, à part voir le jeu comme un pétanque simulator, qu'est-ce que tu penses de Star Citizen? Comment tu pourrais le définir? Alors, pour moi, Star Citizen, c'est un MMO immersif sandbox qui laisse beaucoup de liberté aux joueurs. Et en gros, ce sera aux joueurs de définir le gameplay qu'ils souhaitent. Et c'est ça qui m'a plu, vraiment. Ok, voilà. D'accord, ok. Les gars, désolé pour les petits problèmes techniques qu'on a, mais ça va se mettre en place. Il a pas fait ses exercices faciales, Hugo Lisoire. Faut que ça tombe sur Hugo, mesdames et messieurs. La régie, je te laisse préparer le trailer, tu sais, le fameux trailer que tu adores, pour vraiment mettre en avant et bien commencer le stream pour montrer le tout premier trailer de Star Citizen. Il a été, je crois, montré en 2013 et pour voir comment. 2012 même. Et pour voir comment eux, CIG, ont voulu montrer leur jeu finalement dès le départ. Donc la régie va nous faire spawn ça dans quelques secondes. Ça va pas le coup de répéter. Oh, Xahu, si ça plante pas. Si ça plante pas. Non, on est bon. Là, on est bien lancé, les gars. Ne virez pas la régie, on en a besoin ce soir. Yep, épouse. Ça arrive. Alors, dans quelques petites secondes, on va voir si on a du son et tout. N'hésitez pas à faire des remontrances. C'est bon, on est bon. Non, je porte pas la poisse, la régie. Vas-y. Alors, attends, d'ici quelques secondes, on va voir, voilà, comment CIG eux-mêmes ont voulu présenter leur jeu vidéo. C'est parti, la régie. Hi, I'm Chris Roberts. Ever since I saw Star Wars as a wide-eyed 8-year-old, I dreamt of being a hotshot pilot saving the galaxy. Alors on voit même Chris. Mais effectivement, ce n'est pas Star Citizen parce qu'à la base, voilà, c'était Squadron 42. Mais quand même, effectivement, c'était aussi avant l'OCS. Voilà, c'était en 1999. C'est vrai que ça, on a pris un petit coup de vieux, les gars. Je sais pas si vous avez les textures, c'était pas trop ça. Hein. Ouais. C'est clair. Ok. On avait dit qu'on était fatigué en début d'émission. Ouais. Je pense qu'on commence à le sentir, tu vois. C'est vrai qu'on va ramer un peu ce soir. Non, mais voilà, juste en fait, c'était pour montrer que voilà, dès l'un de leurs premiers trailers, ça envoyait direct voilà, des missiles,
des vaisseaux militaires, peut-être des organisations mises en scène qui s'attaquent, etc. Et c'est vrai que même dans les pubs commerciales qu'on peut avoir des différents vaisseaux actuellement, même si c'est des vaisseaux, je sais pas, de minage, de course ou quoi que ce soit, c'est souvent très militaire. Toi, Super Panda, je voulais savoir quel œil tu avais là-dessus. Pourquoi montrer que du militaire très souvent, en fait ? En fait, dans Squadron 42, on va pas contrôler un mineur ou un transporteur, on va contrôler un guerrier de l'espace, enfin un pilote. Bien donc sûr. C'est logique que le gameplay militaire en fait soit le premier, en fait soit le premier peaufiné. Et c'est pour ça qu'on a énormément de vaisseaux de guerre dans Star Citizen, et c'est pour ça que c'est le gameplay militaire qui est le plus avancé actuellement. Quand vous regardez par exemple actuellement dans le jeu, on a des missions de combat, mais on n'a pas de missions de minage. Tout comme non. Voilà, c'est vraiment ce gameplay-là qu'ils ont pris en modèle pour pouvoir justement l'adapter et le enfin c'est le gameplay de Squadron 42 qui est repris en fait pour Star Citizen. Parce que si je dis pas de bêtises, à la base Squadron 42 était montré comme le service militaire, hein. C'est un peu ça, non? Oui. Alors encore une fois, les infos sur Squadron 42 sont parcellaire, parce qu'en fait, là d'ailleurs, Chris Roberts a dit qu'il ne voulait plus montrer trop de Squadron 42 pour éviter de spoiler et pour vraiment se rapprocher de la sortie. Et c'est en se rapprochant de la sortie qu'on en saura plus sur Squadron 42. Mais en fait, le joueur au début de Squadron 42 va jouer une jeune recrue de l'UE qui va devoir participer à la campagne contre les Vanduuls. Voilà. C'est la seule chose dont on est à peu près sûr sur Squadron 42, c'est ça. Après, comment ça va se passer et comment. Quel vaisseau on va piloter? Alors on va certainement piloter un Gladius qui va être le vaisseau certainement de début de jeu, et on va certainement être embarqué dans un Idris. Voilà. Après en dehors de ça, quel va être le scénario? Je ne sais pas si nos autres intervenants en savent plus ou s'ils ont plus d'infos que ça, mais a priori on n'en sait pas beaucoup plus que ça sur le scénario de Squadron 42 et on aimerait bien savoir plus. On va demander à Zo, parce que c'est vrai il fait beaucoup de trad tout ça avec son pote Goth. Je vois que non moi j'en sais pas plus. Mais Zo, je sais pas si t'as des infos supplémentaires vraiment sur Squadron 42, est-ce qu'il va s'y passer plus ou moins? Non, pas plus que ce qu'il nous raconte, quoi. Pas plus que... Ok, d'accord. Et pour toi Hugo, Quelle est la raison, je sais pas, hein, on va voir ce que tu vas nous répondre, mais pourquoi voilà, de nombreuses pubs, il y a du gameplay militaire en fait? Est-ce que c'est pour attirer du public ou... Moi je pense que c'est une raison de gameplay évidente, c'est que chacun doit pouvoir se défendre malgré... Enfin, tu peux prendre n'importe quel gameplay, même si t'es mineur, etc. Faut que t'aies des guns sur ton vaisseau parce que faut que tu puisses te défendre à n'importe quel moment. Ou attaquer à n'importe quel moment. C'est quand même, à mon avis, le gameplay principal du jeu, vu qu'il va être basé sur celui de Squadron, qui, lui, ce sera le gameplay principal. Donc, dans Star Citizen, tu auras forcément une part de combat. Tu vas forcément faire du combat. Même, je sais pas, même les gens qui vont créer un compte, qui veulent faire full pacifiste, il y a forcément, à un moment donné, ils vont arriver quelque part, il y aura du combat. Ils pourront pas l'esquiver, donc... Je suis pas certain de ça, en fait. Je suis pas certain de ça. Même contre des IA, tu vois, pas forcément contre des joueurs. Je suis pas certain de ça, parce qu'en fait, je lisais quelques articles sur Star Citizen, enfin, des vieilles déclarations de CIG, et en fait, ils veulent organiser leur système dans des systèmes plus ou moins sécurisés. Je vais prendre un exemple, il y aura deux systèmes qui seront extrêmement sécurisés par l'UE, ce sont les systèmes, ce qu'on appelle les systèmes capital du jeu. Donc c'est le système solaire qui sera le système, on va dire, la capitale politique du jeu, et le système Terra, qui est le système capital économique du jeu. Ces deux systèmes seront extrêmement sécurisés. Donc dans ces deux systèmes, les joueurs qui joueront dans ces deux systèmes, il y a très très peu de chances qu'ils se fassent attaquer par des pirates, parce que les pirates, ils vont se faire défoncer par la sécurité à la moindre attaque. Donc dans ces deux systèmes, à mon avis, les joueurs qui vont miner dans ces systèmes, qui vont faire du transport dans ces systèmes, à mon avis, seront très peu attaqués. Après, attention, après, en dehors de ces deux systèmes, il y aura d'autres systèmes UE qui seront peut-être un peu moins sécurisés. Donc là, il y aura peut-être plus de chances d'attaque de pirates. Mais il y aura aussi des systèmes sans foi ni loi, c'est-à-dire des systèmes qui ne sont pas sécurisés par l'UE. Et là, ça me fait un petit peu penser à ce qu'on voit dans EVOLINE, en fait. EVOLINE, c'est un jeu qui est organisé par système aussi, et c'est un jeu où les systèmes ont le niveau de sécurité qui va de 0 à 1. Les systèmes qui ont un niveau 1, en fait, il y a très peu de chances de faire attaquer. Donc les gens qui veulent jouer pacifiste restent dans ces systèmes-là. Ils se font, mais alors, jamais attaquer. En revanche, ceux qui veulent plus de combat, ils vont dans des systèmes... Il y aura forcément des joueurs qui voudront foutre la merde, même dans les systèmes les plus sécurisés. Oui, mais alors, ils vont se faire défoncer.
Si, ah, si, après, si, mais bon, il y aura quand même du combat, du coup. Ce qui se passe, alors je ne sais pas comment ça va se passer dans Star Citizen, mais ce qui se passe dans EVE Online, s'ils reprennent un petit peu le même système, parce qu'ils s'inspirent énormément de certaines mécaniques de EVE Online, pas de toutes, hein, pas de toutes, parce que c'est pas un jeu PVP, encore une fois, c'est focus PVE surtout Star Citizen, alors que EVE Online c'est plus PVP. S'ils reprennent ce système-là, un joueur qui est dans un système sécurité maximale d'un EVE Online, qui attaque un autre joueur, il se fait défoncer dans la seconde, enfin dans la seconde, j'exagère, mais par la sécurité. Donc en fait, il n'y a quasi jamais aucune attaque dans un système 1-0 ou 0.9. Ouais, ouais, mais si le mec, enfin le joueur lui-même est dans un système safe et qu'il a beaucoup d'ennemis, il va pouvoir se faire tuer, attaquer. Ouais, en fait, alors dans EVE Online, en fait, un joueur qui est vraiment ultra pirate, il va même pas essayer d'aller dans ce système sécurisé parce qu'il peut même pas y rentrer. Il va se faire défoncer dès son arrivée, en fait. En fait, il va se faire chasser. Alors, je sais pas comment ça va être dans Star Citizen, mais je trouve que certaines déclarations de CIG en termes de hiérarchie d'association des systèmes, et quand on regarde ce qui se passe sur la Star Map notamment, ça fait un petit peu penser quand même à cette hiérarchisation. Et je pense que c'est un bon choix parce qu'il faut en fait que Star Citizen plaise à beaucoup de joueurs et pas qu'à ceux qui veulent faire du combat. Il faut aussi que ça plaise à ceux qui veulent juste miner. Moi, je connais des joueurs, je sais pas si c'est votre cas, mais qui ne font que du minage dans le jeu actuellement. Moi, je fais jamais de combat. Qui ne touchent pas au gameplay de combat. Donc, pour ces joueurs-là, il faut aussi quelques lieux un peu plus sécurisés. Alors, même si ces lieux sécurisés, dans EVE Online, alors ce sera certainement pareil dans Star Citizen, mais ils rapportent beaucoup moins. C'est-à-dire que ceux qui restent minés dans ces systèmes-là, ils vont avoir des minerais peut-être moins précieux que dans des systèmes beaucoup moins sécurisés. Et donc voilà, après, ceux qui vont prendre des risques peuvent gagner beaucoup plus d'argent, mais les systèmes sont plus risqués. Donc voilà, il faut faire le rapport entre est-ce que tu es prêt à prendre de risques, mais à gagner plus d'argent, ou à essayer de rester dans un système safe et pépère, mais du coup, tu te feras un peu moins d'argent. Et d'avoir une vie un peu moins sulfureuse, voilà. Mais du coup, je voulais savoir, parce que là, je crois qu'on a entendu récemment du fait que, voilà, si vraiment il y a des trop grosses attaques et tout, CIG va un peu balance en envoyer plus de PNJ, hein, c'est ça. Je sais pas si Nirine, t'as vu cette information. J'ai pas vu passer, après, bon là, de toute façon, on a pu voir que ne serait-ce que dernièrement, ils ont bien renforcé tout ce qui est sécurité. Maintenant, on voit, il y a certaines stations, il y a je sais pas combien de tourelles dessus, peut-être 50, ouais, 60, ouais. Hein, j'en sais rien. Quand tu fous trop le bordel, t'as carrément un Idriss qui débarque, puis ça revient en boucle, ça revient en chaîne. Donc je pense effectivement qu'ils vont renforcer de toute façon ce côté-là un peu sécuritaire dans les systèmes, ou comme le disait Super Panda, dans les systèmes où l'UE est censé faire régner, entre guillemets, la loi et la sécurité. Je sais pas si sur des très gros événements, par exemple, je vais parler de l'opération Pitchfork par ici, même si c'est très 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 loin, c'est très très spéculatif, mais je sais pas si un jour on aura l'occasion, par exemple, d'assister à des interventions non pas IA programmées, mais plus qui seront gérées directement par les devs in-game pour faire des choses un peu plus grosses, un peu plus structurées et un peu plus violentes aussi. Parce que je pense qu'il y aura des très gros groupes pirates qui voudront foutre le bordel et qui voudront aller mettre le bordel dans certains systèmes. Il y en a même déjà qui parlent de vouloir les contrôler. Alors peut-être qu'on en parlera ce soir dans un sujet. Mais je pense que contre ce gros genre de groupe-là, où vraiment il y a énormément de joueurs, ça nécessitera des interventions directement des devs qui seront plus musclés et ne pourront pas se limiter à juste renforcer la sécurité avec de l'IA, à mon sens en tout cas. Alors tu disais, c'est vrai, tu disais, voilà, il y a certaines organisations qui veulent contrôler alors des systèmes, je ne sais pas si c'est vraiment des systèmes, je pense entre autres aux Fagal, qui veulent contrôler, voilà, vraiment une planète, une lune. Est-ce que vous pensez, je vais donner la parole à Svo, est-ce que toi Svo tu penses qu'on peut en arriver là dans Star Citizen? Alors c'est vrai que c'est un peu décrié parce que Chris Roberts avait dit non, peut-être pas, c'est un peu le point d'interrogation en fait finalement. Robert il dit plein de choses. Moi je pense qu'il n'y a rien d'impossible en fait. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Après, est-ce que le jeu va te le permettre pendant très longtemps? Je ne sais pas. Ils nous ont montré leur outil qui permet de voir les variations des ressources qui se déplacent, des choses qui se fabriquent à tel endroit en fonction de l'activité pirate, etc. Il y a des vaisseaux qui sont clairement pensés pour de la contrôle de zone, le Nautilus qui va nous larguer des mines, etc. etc. Je pense que c'est pas impossible. Maintenant, une planète c'est très grand dans SC. Ouais. Les planètes et les lunes sont très grandes. À moins d'avoir un effectif ultra ultra nombreux, ça paraît peut-être un peu fat comme ambition, mais je pense que c'est pas impossible de contrôler un jump point pendant une telle durée, de contrôler un champ de minerai pendant une telle durée, de contrôler peut-être une station abandonnée ou que sais-je.
Je pense que c'est pas impossible temporairement, de manière définitive, je m'avancerai pas forcément. C'est que nous on a reçu une orga voilà, qui était un peu internationale et qui était sur plusieurs fuseaux horaires. Pourquoi pas, à voir ce que ça peut donner à terme, mais c'est vrai que si vraiment il y a le server meshing, ça va être compliqué. Shokel qui nous dit seulement temporairement. Il n'y a aucun intérêt à jouer à Star Citizen si on ne peut pas contrôler de territoire. Certes, mais voilà, comme dit Svo, voilà, une planète, une lune, c'est quand même assez important dans l'univers Star Citizen. Ouais. Ils appelleront pas les devs s'il y a besoin de clean un secteur, ils appelleront Sophie Panmi. Ouais, Sophie Panmi qui s'entraîne très régulièrement à jouer en Arena Commander. Prendre un système paraît compliqué. C'est pas faux, Draco. Ouais. Vision très réduite quand même, je trouve. Écoutez, un territoire, pas une lune entière. Hein, voilà, on est d'accord. Sur le système de territoire, en fait, Star Citizen, je suis pas d'accord avec celui qui Zaou qui nous dit qu'il y a aucun intérêt à jouer à Star Citizen si on peut pas contrôler les territoires. Star Citizen n'a jamais été vendu comme un jeu de conquête de territoire, jamais. Alors on pourra avoir son propre territoire avec les avant-postes, enfin on pourra construire, avoir son petit terrain de 4 km sur 4 ou 16 km, de 8 km sur 8 et construire son avant-poste, mais contrôler une planète et contrôler un système, ça n'a jamais été dans les plans de CIG. Alors peut-être éventuellement qu'il y a certaines corporations qui imaginent prendre des Nautilus et poser plein de mines autour des jump points pour essayer de contrôler ces points, mais si jamais ça se passe, moi je parie que CIG va faire popper quelques Idriss là et pour dégager tout ça quoi. Ouais, parce qu'ils ne veulent pas laisser s'installer des gens comme ça. Alors, ouais, donc dans certains systèmes. Après, dans les systèmes pirates, peut-être, ils laisseront, puisque bah, là, c'est les joueurs, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Voilà. Mais dans les systèmes, dans la majorité des systèmes, à mon avis, ils ne laisseront pas, comme disait Nirin, ils laisseront pas s'installer les joueurs comme ça. Hein. Ouais, c'est ce que je... Ouais, pardon. Après, tu peux contrôler des choses sans pour autant taper dans la violence. Hein. C'est le marché, etc. Si tu travailles comme il faut, tu peux contrôler des choses sans pour autant foutre sur la gueule du voisin. Quoi. Ouais, je vois Draco qui met. Ce qui est sûr, c'est que CIG veut garder la mainmise sur les jeux, sur les systèmes. Alors attendez, ça va être. Le monsieur tout maigre, il délire un peu. C'est vraiment nécessaire de disserter sur ça. Joe, s'il te plaît, Joe. S'il n'y a pas de guerre entre les grosses corpos, il n'y aura que du joueur PVE. J'avais une question. Oui, par contre, voilà. On reste toujours. Voilà, Star Citizen est-il un jeu de guerre? On parlait des pubs commerciales. Mais c'est vrai. Je ne sais pas qui c'est qui va prendre la parole. Mais sur tous les vaisseaux, au moment où on se parle, on peut faire du piou-piou. Voilà, il y a ce qu'il faut pour riposter, en fait. Il est là le truc, en fait. Nirin. L'univers est hostile. Hugo. Voilà, c'est ça, en fait. Et bah, il démontre par là que, comme tu disais toi, Hugo, tout à l'heure, quoi qu'il en soit, peut-être, on va en débattre, mais il n'y aurait aucune activité full PVE, en fait, finalement, gars. Ah, si CIG l'ont encore dit récemment, ils veulent qu'il n'y ait aucun sentiment de sécurité à 100%. Ils veulent que même en zone safe, t'aies ce petit risque. Tu vois, ce petit risque, c'est un peu comme si tu sortais en bas de chez toi et que... Enfin bon, c'est un peu différent, tu vois, t'es plus ou moins safe quand tu sors d'en bas de chez toi, mais il peut t'arriver une couille. Bah SC, ils veulent la même chose, ils veulent que... C'est ça qui va faire que tu vas être immergé dans le jeu, tu vas avoir peut-être peur de prendre tel ou tel chemin. Ça va influer sur ton gameplay, en fait. Oui. Après, moi, je trouve personnellement ça débile de mettre des armes partout. Ok, on est en guerre contre les Vandoules, ok, il y a des gros pirates, ok, les pupus, ça fait vendre. Mais bon, SC, je stream beaucoup. Régulièrement, j'ai des gens qui viennent me poser des questions sur les vaisseaux et leur premier critère, c'est est-ce qu'il y a des armes. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils vont commencer à chercher des armes sur des vaisseaux qui ne sont pas en mesure de se défendre, en fait. Ils ont des armes, ok, c'est dissuasif. Mais tu vas pas aller faire du dogfight avec un Starfarer, quoi. Le problème, c'est que j'en ai trop qui pensent comme ça. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose parce que ça procure un sentiment d'autoprotection aux gens, ce qui fait qu'ils vont pas forcément se tourner vers les autres joueurs pour interagir avec. En fait, trop de gens pensent qu'ils pourront tout faire tout seuls. Et je pense que c'est un problème, moi. Je pense que c'est un réel problème. Des vaisseaux tels que le Prospector, ils ont des armes, les Mauls, ils ont des armes, les Hulls, ils ont des armes. Des vaisseaux qui pour moi n'ont pas besoin d'avoir des armes, en fait. Dans tous les cas, tu te fais aggro en prospect, en maul ou en hull, tu te feras soulever. Donc tu veux dire si certains vaisseaux n'avaient pas d'armes, ça forcerait peut-être aux gens à prendre peut-être une milice, une sécurité, etc. Exactement. Et développer le côté MMO, en fait. Ouais, bah c'est ça. C'est... Ok. Okay, pour moi, trop de gens pensent. En fait, trop de gens, j'ai l'impression, pensent qu'SQ42, ce sera pareil sur SC, en fait. Enfin, que SC sera SQ42. Beaucoup de gens pensent faire leur vie tout seul et
Je trouve que c'est une mauvaise chose. Moi, j'ai vu certains streamers qui font de la pétanque sans aucune sécurité. Je voulais savoir, Hugo, comment ça se passe au niveau de la pétanque sur tes streams? Écoute, nous, on innove. On est full gameplay émergent. Moi, à chaque fois, en fait, le jeu, je le prends pas au sérieux pour l'instant parce qu'il est encore en alpha et j'ai pas beaucoup de temps. Et en vrai, les développeurs, ils changent tout le temps. Donc, je vais pas me lancer à me dire, je vais tryhard genre ça, sachant que les devs, ils vont tout changer toutes les deux semaines et ça me saoule. Du coup, en fait, je prends comme le jeu vient, en fait, ce qu'il me propose. Et en ce moment, il y a le tractor beam qui m'éclate. Et du coup, je fais de la pétanque, je fais des petites constructions, je m'amuse à faire des boucliers avec, à faire des assauts. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à la création, là, en direct, peut-être, je sais pas, de l'organisation Le Cirque Lisoire? C'est créé, c'est bon, c'est déjà créé depuis. Oui, c'est créé, bien sûr. Mais là, une semaine et demie, vous pouvez vous inscrire si vous avez un talent particulier, dresseur d'ours, cracheur de feu. Ok, d'accord. Bah, justement, alors attendez. Alors déjà, je remercie Ninouf, merci pour les abos, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, Ninouf. Mais je sais que voilà, un des chroniqueurs du soir a un très grand talent et pourrait participer et intégrer. Je vois que Super Panda, il dit non, il fait pas ça en direct. Et voilà, je sais que moi, je pense que Super Panda pourrait rejoindre l'organisation Le Cirque Lisoire parce qu'il a un talent particulier. Il n'y a aucun problème. Alors attention, mesdames et messieurs, on va voir le talent de Super Panda dans quelques secondes. Super Panda, est-ce que tu veux montrer ton talent devant toute la France? Mon talent, comme tu y vas, c'est pas non plus un talent énormissime. disons que je sais chanter, oui, je dois l'avouer, j'ai un certain niveau en termes de chant. Donc je peux vous interpréter un de mes morceaux favoris. Une petite parodie d'un vieux générique qui s'appelait d'une série qui s'appelait Tom Sawyer. Donc je sais pas si certains d'entre vous les plus anciens connaissent. Donc je m'éclaircis la voix pour vous chanter ça. Bien sûr. Alors ça s'appelle Couche Pampers pour information. Voilà, c'est une parodie. Couche Pampers, c'est l'antifuite, c'est le symbole de l'humidité. Elle est née au bord d'une fleuve cucu mouillé. Couche Pampers, c'est la couche pour les bébés. T'es embouché. Bah écoute la régie, ouais, je te laisse. On finit le stream là-dessus, mesdames et messieurs. Non, c'était pas malaisant. Merci beaucoup à tous, ça fait extrêmement plaisir de nous avoir suivis. Allez, ciao, à la semaine prochaine, les gars. Ben voilà, on a fini le stream, les gars, ça fait extrêmement plaisir. Alors, la question importante, est-ce que toi, Hugo, tu le valides ou pas? Est-ce qu'il a passé le recrutement? Pour moi, c'est un très bon troubadour. Ouais. Je pense que ça amusera le public. Ça fait un très bon numéro. Ok. Ce sera Disney USA l'entrée, par contre, pour aller voir le. J'ai perdu fric là. Ça m'est reversé, de toute façon. Pour moi. Ah oui, bah oui, chaque artiste, tout simple. Un pourcentage quand même. Sur. C'est quoi ton pourcentage et mon pourcentage? Ce que je gagne à la fin, c'est quoi? Tu gagnes 30%. 30% de. Ah, c'est pas mal. 70. Ah oui, quand même. Bah écoute, faut payer le reste, hein, les infrastructures. D'accord, ok. Ok. Nirinzo, vous avez un talent particulier à montrer à la communauté ou... Franchement, c'est compliqué. je peux pas égaler. Ah oui, ouais, tu vas te frapper la honte si tu fais un truc, forcément. Super Panda a mis la barre tellement haute que. Je dis la vérité ou pas? Merci Max, salut Max, ça fait extrêmement plaisir. Un chroniqueur du CTL, j'arrive en retard, les petits potes. Merci de ta présence, ça fait extrêmement plaisir. Le talent de Nirin, le FPS. C'est vrai, Alpha, c'est vrai, il est très très bon en FPS. Tu fais des streams en ce moment, Star Marine, Nirin? Un petit peu, c'est vrai. C'était surtout parce qu'il y avait des soucis avec le boîtier 4G, hein. C'était surtout ça. Mais c'est vrai que j'y retourne un petit peu plus ces derniers temps parce qu'il y a des habitués en fait qui commencent à. Enfin, ça fait déjà un petit moment en fait qu'il y a une espèce de communauté un peu dans le côté Star Marine. Il y a la même chose dans l'Arena Commander d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant pour s'entraîner surtout. Pour s'entraîner parce que je pense que ceux qui tryhardent vraiment, 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 vraiment campent ces modes-là surtout. Donc c'est intéressant, mais c'est juste pour ça, hein, c'était principalement pour ça, pour remettre un peu le pied dedans, et aussi avec les problèmes de la clé 4G. Exactement. C'était mieux. Bah du coup, pour parler de Star Marine, etc., la régie, je laisse mettre peut-être la vidéo de Théâtre au Foire, on va en parler un peu, mais c'est vrai que c'est une feature qui va peut-être arriver cette année. C'est la vidéo, je crois, Shoot'em Up, la régie, sinon c'est pas grave, hein.
Sinon, il n'y a pas un thème ce soir quand c'est... Ah, Xahu, je vais remettre dans l'ordre. Mais c'est vrai que voilà, c'est une grosse feature que certains attendent et qui peut s'apparenter et qui s'apparente à de la guerre. Je crois que c'est... Vous me coupez, les gars, si je dis des bêtises, mais je crois que ça va être du 20v20, un truc comme ça, 20 versus 20. Théâtre de guerre, c'est ça ? Ouais, théâtre de guerre. C'est vrai que ça peut... Bah, il y a ce côté guerre, encore une fois, qui réapparaît, en fait. Encore. Ouais, c'est vrai, encore. Zo, est-ce que tu as des infos là-dessus, toi qui fais toutes les trades, tout ça, de ce qu'on va pouvoir peut-être attendre dans Théâtre de Guerre ? Bah là, en l'état, faut pas espérer grand-chose. Parce que putain que les perfs, c'est de la merde. On peut attendre du lag, ça, oui, ça... ça on l'attend. Toi, Hugo, non, est-ce que c'est quelque chose que... Ouais, pardon, super. Oui, non, vas-y, Hugo. Hugo, est-ce que c'est quelque chose que tu attends, que tu peux peut-être stream ? Ouais, clairement, je l'attends à fond. Je voulais le tester pendant la CitizenCon, mais les places étaient déjà toutes prises en 5 minutes. Ouais. Genre vraiment, ça intéresse les gens à fond, quoi. Et ça va être trop cool parce que c'est un petit module FPS. J'espère que ce sera un peu plus... Enfin, moi, j'ai fait un peu de Star Marine au début, mais j'ai vite abandonné parce que ça m'avait saoulé. Et parce que je suis nul. Mais je pense que dans Théâtre de Guerre, il y aura peut-être plus ce côté immersion. On utilise la VOIP en équipe, on essaie d'avancer, etc. C'est ça qui m'intéresse un peu plus. Et ça va être en fait, Théâtre de Guerre, je crois que c'est un module pour tester le FPS et changer, faire des itérations rapides pour eux, pour les devs, avoir des retours simples sur les armes, sur pour l'équilibrage. Comment les joueurs, pour l'équilibrage. D'accord. Donc ça va être marrant de participer à ça en fait. D'accord, ok. Donc c'est quelque chose que vous attendez quand même un peu avec. Non, Super Panda qui dit non, pas spécialement. Non, ouais. non, c'est vraiment. J'en ai rien à foutre en fait. D'accord, alors, non, mais c'est important. Absolument. Mais en fait, tous ces modes annexes style Star Marine, mais j'en ai mis rien à branler, d'accord. J'y mets jamais les pieds. J'y suis allé au début pour tester. Alors je vais parfois dans Arena Commander parce que j'aime bien pour tester des vaisseaux, tout ça, c'est pratique. Ouais. Au lieu de se prendre une mission, d'aller voir s'il y a un PNJ, là tu vas direct dans le combat, donc c'est plus pratique. Mais concrètement, je m'en sers juste pour tester les vaisseaux, quoi. Je vais pas grinder ou je vais pas aller faire 10 milliards de parties dans Arena Commander ou dans Star Marine. Donc ça sera pareil, je pense, avec Théâtre de Guerre où j'irai juste tester et puis après je laisserai tomber, quoi. Ok. Question tout à fait annexe. Cyréo qui nous dit, t'es dans quel corpo, Super Panda ? Ah, moi je suis dans JV Corp, qui est une corporation pro-UE. Et donc vous êtes tous les bienvenus si nécessaire, c'est une corporation ouverte à tous et voilà. Ok, bah, on avait fait un live où on avait présenté ton orga, tout ça. Zo, je t'ai coupé la parole, je crois, je te la rends. Bon, je disais que Théâtre de Guerre pour moi c'est la même en fait. C'est comme l'Arena, c'est comme Star Marine. Si je veux jouer un FPS, je vais sur un Call of Duty. Si je veux jouer sur des maps en monde ouvert, je vais sur un BF. Si je veux me battre avec des vaisseaux, je vais sur un Star Wars, je sais pas quelle merde. Moi, SC, j'y joue pour le MMO. Ok. Le reste, rien à secouer. J'y jouerai, hein, forcément. Mais bon, quand ça va sortir, je sais d'avance que les perfs, ce sera comme l'Arena et comme Star Marine. Donc, je vais y jouer 5 minutes et puis ça va me saouler. Si c'est un outil qui leur permet d'équilibrer les choses, bah tant mieux. Tant mieux. Après, moi, ce que j'y vois, c'est que s'ils ajoutent la possibilité de faire des maps custom, de pouvoir custom un peu tout ça, les gens pourront y faire éventuellement leurs events, ce genre de choses, et puis au moins, ce sera moins relou, je pense, pour eux que de faire ça dans le PU, où dans le PU, il leur arrive des problèmes, des 30k, etc. Pour moi, je vois comme ça, s'ils donnent la possibilité de custom un peu, c'est les gens iront caler leur event là-bas, et puis comme ça, au moins, on sera tranquille sur SC. Donc tu penses qu'on pourrait avoir un éditeur de map en fait, c'est ça que tu veux dire ? Ah, je pense, ouais, il y a déjà d'autres jeux qui le font. Hein. J'étais un gros joueur de Halo, et Halo t'avais la forge où tu pouvais custom tes maps, tu pouvais faire des modes de jeu, même totalement rien à voir avec Halo, où t'avais des courses, t'avais des espèces de matchs de foot, mais pas loin. Enfin, je pense que s'ils sortent les doigts, je pense que c'est pas impossible. Quoi. Si d'autres jeux le font, pourquoi ils le feraient pas ? Ok, d'accord. C'est vrai qu'on est en train de voir des vidéos de Théâtre of War. Moi, ce que je vois de sympathique, c'est que ça va mêler le côté FPS, le côté véhicule au sol, vaisseau, etc. C'est vrai que ça peut faire un bon medley. On a beaucoup parlé des performances qui pourront ne pas être là le jour de la sortie. Mais si, par exemple, demain, ça devient... Je sais pas, les gars, je fais de la spéculation. Mais si ça devient vraiment une référence côté FPS, etc., c'est quelque chose... Toi, Nirin, je sais que toi, ça peut t'intéresser avec ton orga et éventuellement tes streams aussi, peut-être. Oui, tout à fait. De toute façon,
Bon, j'ai bien compris que ça intéressait pas grand monde le. Ouais, je sais. Ouais. Super Panda a niqué la hype. Bien compris les gars, pas de soucis. Non, mais c'est vrai que moi déjà de base ça m'intéresse personnellement. Ça m'intéresse plus pour le côté entraînement en jeu en équipe. Pour le côté orga, ça m'intéresse beaucoup. Même si on me sortira l'argument qu'on peut le faire dans le PU, surtout actuellement, parce qu'il n'y a pas de conséquences, et avec les cutlass raids et tout, c'est faisable aussi, ce qui est vrai. Maintenant, ça reste quand même plus simple, je pense, dans des modes comme ça, d'aller sur de l'entraînement. Donc moi, ça m'intéressait déjà de base, pour ces raisons-là. Maintenant, oui, peut-être qu'à terme, ça va suffisamment se développer et devenir intéressant pour que ça rentre dans un côté un peu plus vraiment tryhard. Je vois, il y a souvent des gens qui parlent d'e-sport sur le jeu, j'en doute fortement, honnêtement. Ouais. J'en doute vraiment fortement. Je pense que Star Citizen se distingue pas vers cette voie-là, ça m'étonnerait énormément. En tout cas, c'est pas du tout comme ça qu'il a été vendu. C'est pas non plus pour ça que moi je suis allé vers lui. Hein. Bien sûr. Même si ce sont des choses que j'aime, c'est évidemment pas pour ça que je joue à Star Citizen. Mais ça reste, à mon sens, quelque chose quand même d'intéressant. Déjà pour eux, au niveau des tests, faut pas non plus le négliger. Mais pour les joueurs aussi, en tout cas pour certaines catégories de joueurs, je pense que ça peut être intéressant et qu'on peut s'en servir pour faire des choses intéressantes. Méo qui nous dit ils ont confondu e-sport et espoir. Voilà, c'est possible. C'est possible. Est-ce que Niri nous cache des griffes de reptilien? C'est possible. Derrière ses gants, à tout moment, attention. Il peut tout y avoir sous les gants. Il peut tout y avoir. Grandgun qui nous dit pour lui, ça peut Star Citizen dans le futur peut se rapprocher de Arma 3. C'est pas faux parce que moi au début, voilà, c'était un peu la vision que j'avais de Star Citizen quand j'ai vu voilà les orgas. Moi j'étais rentré dans une orga directement avec des potes, tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait le côté un peu mille sims, hein, comme toi, Nirin, comme ton orga. Toi, je sais, Hugo, que t'as pas d'orga en fait, finalement, Hugo. T'as vraiment pas d'orga sérieuse hormis la pétanque. Non, j'ai pas d'orga sérieuse. Je sais même pas si j'en ferai une plus d'accord tard. Ouais. Mais oui, je pense que je jouerai avec des potes et on joue toujours avec les mêmes groupes, mais on n'a pas fait d'orga pour l'instant, c'est trop tôt. Genre, je trouve qu'il n'y a pas de système où on peut rémunérer les gens bien, faire des prêts de vaisseaux, etc. Quand ça viendra en jeu, je pense que j'y réfléchirai. D'accord. Alors, mais est-ce que tu penses que dans le futur, je sais pas, je pose une question, hein. Est-ce que tu penses que le jeu ne va pas être réservé vraiment aux orgas? Et on va pas pouvoir peut-être jouer entre potes, en petits groupes? Ah ben, je trouve que ouais, si tu joues SC, qui est un MMO et que tu joues solo dans ton coin, tu perds une grande partie du jeu pour moi. Enfin, pour moi, SC, c'est vraiment les interactions avec les autres. C'est vraiment la VOIP, l'immersion, tu discutes. Et du coup, si tu joues pas avec tes potes, je pense que tu vas te faire chier assez rapidement. Et si après tu peux, ouais, si tu peux intégrer une orga, c'est encore mieux. Mais je pense pas que tu sois obligé d'avoir une orga en vrai. Ok, ok. Un collectif de mecs indépendants, ils vont bien se parler entre eux. Hein. D'accord, ok. Et puis forcer peut-être voilà encore le côté MMO à devoir me rapprocher de certaines personnes pour pouvoir aller d'un tel point. C'est ça un peu voilà qui te tente toi vraiment. Ah moi c'est mes meilleurs souvenirs sur SC. Je peux me prendre dans un métro, je parle avec quelqu'un en pif, c'est un anglais qui me répond, il part avec moi dans une mission et tout. Enfin, c'est vraiment ça, côté MMO, quand il transpire dans SC, quand il arrive de temps en temps, bon c'est chaud hein, parce qu'on est 50 par serveur et ça va diminuer à 40 visiblement. Mais quand ça arrive de temps en temps, t'as le côté ah ouais c'est cool. C'est avec d'autres gens quoi. Ok, je vois qu'Alec qui nous dit Jake, tes exemples montrent que Star Citizen se base sur des paramètres de guerre. Mais as-tu des illustrations ou exemples plus pacifistes, on va y arriver, qui orientent le jeu vers son aspect PVE? Je pense à la vidéo du Constellation qui découvre une espèce évoluée sur un nouvel astre. C'est vrai, alors on a fait une émission PVE la dernière fois, un premier épisode. Je sais pas qui c'est, Nirin peut-être, je sais que toi t'es très basé PVP. Mais quels sont voilà, tes exemples de PVE pour un peu balance les avis du stream ce soir? Voilà, tu me mets sur une pente glissante. C'est pour ça que je te pose la question, c'est parce que je sais que t'es full PVP. Tu peux venir la sauce là. Non, je suis pas full PVP. Non, je suis un peu des deux parce que je pense qu'il faut avoir conscience que le jeu se veut très axé sur les deux. Mais alors, beaucoup pensent que c'est plus sur l'un que sur l'autre. C'est plus sur le PVE que sur le PVP. Honnêtement, j'ai pas la réponse ce soir à cette question. Si tu me la poses comme ça d'avance, okay. Pour ma part, je saurais pas te répondre parce que
y en a un qui sera défini par les développeurs et l'autre qui sera aléatoire parce que c'est les joueurs, donc je peux pas savoir. Maintenant, effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de PVP, mais il y a tout l'aspect PVE, il y a de toute façon un énorme lore qui est mis en place par rapport à ça. Je pense à la guerre contre les Vanduul, qui seront incarnés uniquement par l'IA. Je pense que tout le monde a déjà au moins entendu une fois parler de la race Vanduul et de la guerre qui est contre eux, donc c'est l'exemple même que le jeu ne sera pas de toute façon que PVP et qu'il y a une énorme place au PVE dans le jeu. Pour contrebalancer, c'est évident qu'il y a ça. Il y a les pirates aussi, IA, au-delà des joueurs. Il y a d'autres races aliens qu'on n'a pas aussi découvertes, etc., etc. Il y a plein de choses, donc sans trop rentrer dans la spéculation, des exemples pour contrebalancer, on peut quand même en trouver pas mal. Je voulais avoir votre avis, les gars. Je sais pas, je vais donner la parole à Zvo. Ouais. Pour toi, le PVE, c'est quoi? Parce qu'on en parlait, et c'est vrai que le PVE, pour certains, c'est par exemple aller miner, aller chercher des ressources, peut-être faire du housing. Et c'est pas du fight en fait. Est-ce que le PVE pour toi c'est aussi la guerre contre les Vanduul? Voilà, vraiment contre des PNJ. Est-ce que le PVE peut être aussi une guerre contre les PNJ? Ah oui, enfin pour moi ouais, enfin je veux dire, dans n'importe quel MMO, t'as des world boss, t'as des instances, t'as toutes ces conneries là, et en soi ça a déjà commencé tout doucement avec l'Idris qui commence à se pointer, ouais. L'Even qui va arriver prochainement avec l'incursion des pirates en Idris, etc. Tu peux très bien te cantonner plus tard à SC à farmer que du PNJ. Après, il y aura tout. Bon, là, en l'état, ça veut rien dire parce que tu le ferais les yeux fermés, ce serait la même chose. Mais bon, à terme, j'ai espoir que les PNJ. Hugo, arrête. à terme, j'ai espoir que les PNJ aient un tant soit peu plus de réaction et de combativité. Mais je pense que ouais, c'est possible. Après, il faut tout. Il faut de tout. T'as besoin de tout dans la machine. Les engrenages, pour que ça fonctionne, il faut qu'ils soient bien imbriqués ensemble, etc. T'as besoin du PVP, t'as besoin du PVE. L'un va pas sans l'autre, en fait. Ou alors, ça va, on va dire que ça va pas forcément desservir le projet comme il faut, on va dire. D'accord. Après, ça n'empêche pas que des jeux full PVP existent et ça marche très bien. Parce qu'on nous disait. Merci pour les abos, ça fait extrêmement plaisir. Un utilisateur anonyme qui offre 3 abonnements. Merci beaucoup du soutien, les gars. Mais c'est vrai que voilà, on a vu le côté plus faire du minage, etc. C'est plus le côté farming. Et PVE, c'est peut-être voilà, faire la guerre contre des PNJ. Je voyais beaucoup dans le chat. C'est bien un versus player versus environnement. Donc voilà, c'était un peu pour recadrer le côté PVE. Toi, Super Panda, c'est quoi le PVE pour toi dans Star Citizen, en fait? Pour vraiment rééquilibrer le débat. Alors, le PVE, c'est pas seulement des activités pacifiques. Hein. Enfin, j'en vois certains sur le chat qui disent qu'on va miner ensemble et tout. Non, mais c'est pas que ça, le PVE, comme disait Zvo, il y a du fight. Hein. Comme disait Zvo, contre l'Idris, c'est pas facile. Enfin, moi, j'ai essayé 2 fois d'abattre l'Idris, on n'y est pas arrivé, quoi. Hein. Bon, on avait une composition de vaisseau un petit peu particulière. Hein. On y est allé, qu'est-ce qu'on avait? On avait du Constellation Andromeda, du Retaliator, on avait pris du Vanguard. Et alors, on arrivait à le descendre, si tu veux. On arrivait en 1 heure, donc c'est long, à 70% de vie sur l'Idris. Donc effectivement, si on avait continué un peu plus longtemps et si on était plus nombreux, on aurait pu y arriver. Mais c'est chaud, quoi. Et on a essayé, alors j'ai essayé aussi pour voir un petit peu quel serait son comportement face à des gros vaisseaux. Donc quelqu'un a pris un 600i et quelqu'un d'autre a pris un Starfarer. C'est moi qui ai pris le Starfarer pour voir un petit peu ce qu'il allait faire, l'Idris, face à ces vaisseaux-là. Et en fait, il les cible en prio. L'IA cible en prio les gros vaisseaux, donc c'est pas du strat de prendre, enfin actuellement en tout cas dans le jeu, de prendre des gros vaisseaux pour essayer d'avoir des armes un peu plus costauds. C'est pas une bonne strat. Donc je pense qu'en fait la meilleure manière de l'abattre, c'est de prendre des vaisseaux avec énormément de torpilles neuf et d'y aller au missile. Enfin je sais pas ce qu'en pensent les professionnels du combat que sont. Je sais que Hugo l'a fait tomber récemment. Là, on t'a vu dans l'équipe, Hugo. Bah, je sais pas avec quoi t'as fait comme vaisseau. Ouais, on a fait plusieurs. On l'a ramé, je crois, la toute première fois. Ah bah oui. C'est honteux. C'est honteux, Hugo. Ça se fait pas. Ça. Et après, non, ouais, on l'a juste. En fait, l'IA est vraiment pas ouf, je trouve, pour l'instant. De temps en temps, il se mobilise totalement, il tire plus. Donc, c'est facile de lui down son bouclier, le faire péter, quoi. On est tombé sur un Idris qui avait une bonne IA. Ouais, après, ça dépend. Si t'es sur un serveur neuf, il peut être péchant, Idris, hein, parce que du coup, il réagit quand même pas trop mal. Mais généralement, c'est pas si compliqué que ça. Et après, si tu l'amènes sur une planète, parce qu'il te suit, il est très très rapide.
en gravité, il comprend rien, il se vient. Ah, il te suit en fait. Ouais, ah, je savais pas ça. Ok. Ah, tu peux l'amener, du coup, tu l'amènes où tu veux, quoi, après. Ah, d'accord. Tu l'amènes dans, je sais pas, là où il y a un peu de gravité, il comprend plus rien, il va se cracher au sol, et là, tu le files dans 2 secondes. Bonne strat, ça. Ok. Toi, Nirin, je crois que tu l'as carrément volé, hein, je crois. Il y a eu plusieurs choses, ouais. Alors, c'est pas moi personnellement qui l'ai volé, hein, c'est des gars de la N7 qui l'ont fait pour une surprise, qui l'ont volé, mais il y a plein de gens qui l'ont fait déjà. C'est un bug qui va être corrigé très prochainement. Pardon. Ouais. Non, après, effectivement, on en a déjà fait tomber quelques-uns, mais c'est comme tout, c'est. Une fois qu'on a entre guillemets la strat et le bon loadout, ça passe facilement. Mais je reviens sur ce que disait Super Panda parce que c'est vachement intéressant. C'est vrai qu'on a fait les tests aussi en venant avec plusieurs Hammerhead, et c'est vrai que l'IA a tendance à focus directement les plus gros vaisseaux, ou en tout cas celles qu'elle considère comme étant les plus dangereux pour elle. Et elle attaque directement les torpilles aussi quand elles sont tirées, ce qui est plutôt intéressant, j'ai trouvé. Maintenant, voilà, c'est un premier event qui est intéressant, qui permet de se mobiliser en tant que joueur pour aller tomber et tous se réunir sur un même et unique event. Maintenant, c'est une alpha, il y a des choses qui ne sont pas encore au point, évidemment. Ça reste un bon challenge qu'on peut tomber facilement, quand même, si on fait les bons choix. Je voyais des messages dans le chat tout à l'heure, il y a des gens qui ont écrit par exemple le nom de certaines armes qui sont un peu buggées en ce moment, qui passent les shields, voilà, par exemple, c'est une des façons. Donc bon, il y a toujours moyen d'exploiter un peu et de s'optimiser. Maintenant, dans tous les cas, ça reste un très bon event, ça reste un très bon combat pour tester ses capacités et surtout tester des stratégies. Moi, c'est ça aussi que je trouve hyper intéressant dans ce genre d'event là. C'est pour les organisations, pour ceux qui jouent en groupe, ça permet d'essayer des choses. C'est ça que je trouve super. Ok, tu peux t'entraîner finalement avec ce que te propose CIG avec leurs événements, quoi. Même si c'est pas, on n'est pas sur quelque chose de vraiment stable, de vraiment définitive, parce que je pense que l'IA va être travaillée, je pense que les shields de l'Idris vont peut-être être rework, peut-être même c'est HP full, enfin plein de choses de toute façon. Donc ce qu'on fait et ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas du tout représentatif de ce qu'il y aura demain. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut pas déjà tester des choses. De manière entre guillemets sérieuse, je dis bien entre guillemets, juste pour essayer, pour voir et pour commencer peut-être à construire des choses pour plus tard. Ok. Mais avec, alors, juste un truc, je finis sur les deux, peut-être, si je peux me permettre. Avec un tel comportement d'IA qui cible en priorité les gros vaisseaux, et je me demande l'intérêt du Perseus, du coup, pour abattre un Idris. Là, il est zéro en fait. Du coup, si jamais on a ce comportement-là où l'Idris va cibler avec son énorme canon le Perseus, qui est super lent, hein, qui est super lent, il va pouvoir le verrouiller facilement, le Perseus il va se faire exploser. Et du coup, je me suis demandé, mais du coup, après, c'est pas du 1v1. Hein. T'auras toujours ta flotte à côté, t'auras tes mecs qui vont s'occuper des tourelles, le MP, tout ça. Au final, ouais, il prendra sans doute ses cartouches, mais bon, c'est pas non plus. Le 1v1, faut l'oublier, quoi. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Mais du coup, je me suis demandé, ouais, mais du coup, le Perseus. J'ai un gros doute quant à l'intérêt final de ce vaisseau. Après, je peux me tromper, mais c'était. D'accord, ok. Jotokyo qui dit il est pas con le mec qui parle là. Eh oui, c'est Super Panda, c'est pour ça qu'on l'a demandé d'être chroniqueur ce soir, c'est parce qu'il est très 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 chaud. Le Perseus, c'est pas pour jouer contre l'Idris, mais pour des chiffres de sa taille. Hammerhead, Karak, oui, etc. Aussi. Ok. Ouais, bon, il a quand même 4 T7. Hein. Le Ares qui a un anticapital, il a un T7. Il peut faire un anticapital, le Perseus. Après, okay. C'est sûr que s'il le fait solo, il va prendre une fessée. Mmh. Et bon, ça c'est le problème de SC. Faut pas penser solo. Quoi. Et c'est le problème des gens. Certaines personnes. C'est exactement le problème. Qui disent j'achète un Perseus pour péter les Idris. Et ça, c'est un solo. Ben ça, non. Et ça, c'est un autre problème. C'est que en fait, tu peux acheter sans limite en fait. Et moi, il m'est arrivé de discuter avec des gens, c'est le type, ok, j'ai mon Karak, j'ai besoin de carburant, bah je vais chercher mon Starfarer, j'ai besoin de réparation, je vais chercher mon Crucible, et il y a trop de gens qui pensent comme ça, en fait. Ouais. C'est pour moi, c'est... Certains vont tomber de très, très, très haut. Alors, c'est bien que tu dises ça. C'est vrai qu'en ce moment, on a vu, voilà, certains
qui découvrent un peu le PVP, parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de... Je vais y arriver ce soir, les gars, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Mais il y a beaucoup de personnes, et de plus en plus de personnes, qui découvrent le PVP dans Star Citizen. Je sais que toi, Nirin, tu pratiques beaucoup avec les Bounty Hunter, etc. Voilà, il y a vraiment un côté PVP qui s'est mis en place. Toi, Svo, je sais que tu avais dit sur un de tes streams récemment que... Tu avais commencé par du gameplay PVP, mais bah que là, je faisais que ça. Voilà, c'est ça. Et que là, tu t'es un peu voilà calmé faire du PVE parce que tu avais eu beaucoup de problèmes sur le côté PVP avec des joueurs, je crois, ou un peu dans la communauté. Est-ce que les gens, courage Jack, merci Tiff. Est-ce que les joueurs sont prêts à apprendre que voilà Star Citizen peut être aussi du PVP quoi? Déjà, moi je suis arrivé en 2.6, donc à l'époque c'était, il y avait Port Rolissard, Grimex, 2-3 Comerec, Rayastro, 2-3 stations, voilà on était 24 là-dessus. Après ça a évolué, il a commencé à y avoir les lunes de Crusader, on est passé à 50. C'était cool, voilà. Puis en plus il y avait Jumptown, etc. Il y avait The Hotpoint quoi. Après ils ont commencé à rajouter Hearthstone et ses lunes, après il y a eu Aria 18 et ses lunes, après il y a eu Microtech et ses lunes, et on est toujours que 50. Bah moi le PVP à 50 comme ça, ça m'emmerde en fait. Il n'y a plus de hot points, si tu veux croiser des gens, faut que tu leur trouves après. Ouais. Tu prends des bounty, t'as une chance sur deux qu'ils sont en zone safe. Le reste du temps, soit il est en quantum drive, ou soit bah, il va backspace ou reste en zone safe. Donc moi le PVP en l'état, il m'emmerde. Respect à ceux qui en font encore aujourd'hui parce que... voilà. Sinon pour le à l'époque, bah en fait pour moi SC, je pense qu'il a été trop longtemps cover par des gens qui peut-être ne voyaient pas l'aspect PVP de SC, qui peut-être le survendaient côté PVE et... Et maintenant que le PVP se développe un petit peu plus, je pense que ces gens-là commencent à se poser peut-être des questions, à peut-être à ouvrir les yeux, ou qui sont toujours enfermés dans leurs œillères et qui continueront de traiter les gens de griffeurs ou je sais pas quelle connerie. Mais ouais, moi, ouais, non, le PVP, quand j'en faisais à l'époque, c'est, je prenais un flot d'insultes, c'était insane, quoi. C'était, d'accord, ok. Est-ce que tu penses qu'on peut perdre des joueurs à terme dans le futur? À quel niveau? Enfin, à propos de... Au niveau que voilà, les personnes se rendent compte qu'il va y avoir quand même un paquet de PVP dans le jeu avec différentes organisations et même des randoms qui vont tuer pour un oui ou pour un non, peut-être au début aussi, tu vois. Ah, ça, c'est à eux de s'adapter aussi. J'entends toujours cette histoire de il n'y aura pas de PVP sauvage, la mort punitive, elle va réguler tout ça, etc. Ce que les gens oublient, c'est que la mort punitive, bah, c'est eux qui vont la subir en premier, en fait. Ce soi-disant argument de protection, c'est eux qui vont le subir. Ils vont le subir, ils vont mourir. Et ils vont peut-être mettre une prime, mais le chasseur de prime s'expose aussi à une mort derrière. Donc pour moi, cette idée de mort permanente, c'est de la merde, c'est daubé, c'est totalement daubé, c'est ça qui va faire plus, je pense, ça fera bien plus fuir les joueurs PvE que les joueurs PvP. Après, à côté de ça... Alors, est-ce que je te coupe, mais est-ce que tu peux retranscrire un peu ce qu'entend CIG par la mort permanente, pour expliquer, pour rafraîchir un peu la mémoire des viewers? C'est pareil, c'est du CIG, hein, ça a été dit, il y a Perpète, etc. C'est globalement, à partir d'un certain nombre de morts, entre guillemets, ton personnage va vraiment mourir et tu vas incarner, entre guillemets, son héritier. Donc bon, après, tu mets ce que tu veux en héritier, si tu l'as joué RP, tu mets son fils, tu mets son oncle, tu mets ce que tu veux. Bon, ça parle d'une potentielle perte d'oseille, une potentielle perte de réputation, etc. Bon, ça pareil, je pense pas que ce soit un réel frein aux joueurs PVP, parce qu'au final, aujourd'hui, les grosses corpos PVP, elles sont pas connues pour leur réputation, entre guillemets, papier dans un jeu. C'est plus, c'est un peu la répute bouche à oreille, en mode, eux, c'est des gros tryhards dans le PVP, si on les croise, on sait qu'on va se faire botter le cul. Pour moi, ça, c'est la vraie réputation. Et demain, tu vas dans n'importe quel MMO, n'importe quel truc, moi je squatte en ce moment, c'est Conqueror's Blade, c'est pas mal que c'est PVP. Il y a des guilds, je sais que si je les croise en monde ouvert et que je suis solo, je vais me faire gank, très clairement. D'accord, je pense que c'est à terme, quand tu vas croiser un vaisseau, que tu verras le blason sur le vaisseau, tu vas dire bah s'ils sont là eux, si je me tiens pas à carreau, si je fais pas attention à mes fesses, je vais me faire gang bang. Tu vas te faire tuer, ouais. Mais c'est quoi qui va vraiment te déranger dans le côté mort permanente finalement? Moi rien du tout. Déjà, si c'est trop contraignant, ça va casser les couilles à tout le monde. Et quand en général un truc qui casse les couilles à tout le monde, la communauté réagit et elle réagit toujours de manière excessive. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont aller farmer en boucle, en boucle, en boucle des joueurs PVE pour que eux la subissent, pour que eux s'en plaignent et pour qu'au final ça saute. Parce que pour moi c'est une idée de merde. Ok. C'est une foule idée de merde. D'accord. Au moins on aura eu son avis tranché. Alors on va passer un peu du coq à l'âne. Je sais pas si qui voudra prendre la parole. Je vois que Hugo il s'ennuie un peu là, il est sur le côté. J'avais jamais pensé du coup que la mort permanente pouvait être un
un problème comme ça. Pour moi, c'est quelque chose d'ultra immersif, je trouve ça super cool. Et vu que moi, après, je pense pas trop d'attache avec mon personnage, quand je meurs, je m'en fous. Ouais. Je recommence, je trouve ça marrant. Et du coup, même ça crée des histoires. Enfin, pour un streamer, la mort permanente, c'est trop marrant parce que ça crée du lore pour ta chaîne, tu vois. Complètement. Chaque fois, ceux qui jouent quand je regarde moi pas mal de streamers GTA RP, etc., les morts de personnages, c'est toujours un grand moment, tu vois, dans les histoires de RP immersives. Bien sûr. Là, moi, je l'imagine un peu comme ça pour moi. Alors après, je peux comprendre ce que dites-vous, ça peut être contraignant pour plein de gens, la communauté, elle va peut-être se plaindre, ça va peut-être foutre la merde. Mais moi, quand je le vois, moi, ça me fera kiffer. En tant que streamer, je pense que ça me fera kiffer, tu vois. Ok, d'accord. Juste un petit mot pour la régie. La régie, je t'entends, mais de très, très, d'extrêmement loin, en fait. Je pense que ton micro... Ah, là, je t'entends. Ouais, là, je t'entends, la régie. Ok. Mon espoir, c'est qu'il y aura des zones diverses pour le PVE, d'autres pour le PVP et d'autres mixtes. Chacun fera son choix. Ça n'empêche pas de temps à autre l'inclusion de l'un dans l'autre. Teddy, ouais, c'est un peu ce qu'a parlé, finalement, Super Panda tout à l'heure. Avec, yeah, tout à fait. Ah, ouais. Vas-y. Ouais. Pourra quand même faire du PVP même dans les zones 1.0, dans les zones vraiment sécurisées. C'est juste que là, il y aura beaucoup plus de sécurité, donc la sécurité va intervenir plus vite contre le joueur qui va t'attaquer. Mais tu auras toujours un petit risque de te faire attaquer, même s'il est très faible. Voilà. D'accord, ok. Moi, je ne pense pas qu'il faille effectivement qu'il y ait un choix à faire, en fait. Pour moi, s'il y a un choix à faire, on perd quelque chose d'énorme dans le jeu, à mon sens. Ouais, comme disait Svo en début d'émission, disait voilà, tu peux descendre de chez toi, tu sais que t'es pas forcément safe. Et c'est un peu ça qu'on veut avoir dans Star Citizen. Enfin, certains veulent avoir dans Star Citizen, en fait, c'est ça, Nyrin. Bah oui, c'est totalement ça, c'est l'idée. Qu'il y ait des zones plus sécurisées naturellement, c'est logique, ça fait sens. C'est dans le lore, c'est normal. Maintenant qu'il y ait des zones où on peut rien te faire, où tu dois, si tu as envie de faire du PVP, tu fais le choix d'en faire et tu vas dans une zone où il y a que ça. Moi, je suis contre ça personnellement. Le jeu ne survivra pas en fait dans des conditions comme ça. Il y a beaucoup trop de gens qui partiront, c'est évident. Ouais, je vois Pac Vianou qui nous dit c'est TS de qualité, oh là là, mais merci Pac d'être présent. Jay qui nous dit, n'y a-t-il pas un risque que les joueurs dits PVE refusent ce côté PVP sauvage, au final sachant qu'aucune zone du jeu ne sera 100% safe et influence les développeurs pour changer l'orientation du jeu? Très bonne question. Là j'ai un exemple tout con, on l'a vu avec New World en fait. New World, c'était à la base, moi quand j'ai signé pour New World, c'était ultra PVP, etc. Mm-hmm. etc. Là, ils ont revu tout le truc avec un PVP activable-désactivable, bah c'est flingué. Attends, c'est-à-dire activable-désactivable. Ils nous ont fait une Fallout 76 où tu peux activer ou désactiver ton PVP et c'est de la merde. Donc tu peux passer au travers d'une guerre PVP. Tu peux avoir un groupe de 50 mecs qui se foutent sur la gueule, tu passes en plein milieu, t'en as rien à secouer. Et ça, demande des joueurs ou pas? Bah ça a chialé à mort sur les alphas parce que ça se faisait gangbang, etc. Puis ça a ouin ouin quoi. Le problème c'est que les ouin ouin, ils ouin ouin très fort et c'est comme tout en fait. C'est impossible de justifier ça sur SC. La volonté même de Chris Roberts, la première vidéo qu'il met sur la chaîne, c'était l'immersion. Tu peux pas avoir un. Tu peux pas avoir. Ah, mais ouais, mais bon. PVP, pas PVP. À mon avis, ce serait. Enfin. Moi, tu vois, il y a ça, je stream plus le jeu, c'est plus intéressant. Je dis pas qu'ils vont faire ça, mais disons que ils pourraient très bien prendre une redirection totale et genre faire sévir de manière ultra hardcore la sécurité, etc. Ça peut être, ils peuvent rendre ça ultra chiant en fait. Je sais, ouais, putain. Pourquoi j'en parle, c'est parce qu'en fait, il y a un mois plus ou moins, il y a un joueur qui a posté un post Spectrum où il demande, si IG pouvait mettre en place, tu fais un clic et tu passes en, comme tu disais Svo sur New World, tu passes en full PVE. Je crois que j'ai vu ce post-là. C'est pas le post du mec qui a dit qu'il voulait miner et regarder Netflix en étant tranquille. C'est possible. C'est ça, parce que j'ai vu un post comme ça où le mec disait, j'ai des années d'expérience sur les MMO, machin. Moi, demain, je veux pouvoir faire du minage et mater Netflix sans pour autant me faire taper dessus. D'accord, ouais, ok. Frérot, c'est jouer ou regarder la télé, quoi. Faut faire un choix à un moment. Bah, c'est les mecs qui ont trop joué à Farming Simulator qui font ça. Bonsoir tout le monde, salut Snap Hunter. Mais c'est vrai que c'est. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, Zo, tu parlais des points de drogue, jump point, tout ça. Moi, j'ai été triste quand ils ont un peu retiré, si on peut dire, entre guillemets, ces jump points, parce que c'est là où ça se passait. C'est là où le PVP prenait toute sa forme, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, moi, j'ai passé des sessions des fois de 8h, 10h. C'était on contrôlait la zone, on rançonnait les mecs. Des mecs qui voulaient pas se faire rançonner venaient en groupe, ils nous foutaient sur la gueule. On était mort, du coup, on se repréparait. Entre temps, un autre groupe était venu, nous on revenait derrière et on passait des soirées, des journées entières à se foutre sur la gueule. Aujourd'hui, on peut plus.
Est-ce que vous avez l'info pour quelle raison ils ont fait ça? Est-ce que c'est pour pas focaliser peut-être tous les joueurs sur un même style de gameplay et faire des tests aussi parce que voilà, on remonte les bugs aussi. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est comme tout en fait. C'est dès qu'ils veulent tester un truc, ils overkill le truc. Comme le minage par exemple. Hein. Le minage à un moment c'était totalement fumé. Le commerce au début, les runs de l'Aranite où tu faisais des millions et des millions à juste faire un run. JT, bon bah il fallait bien tester l'achat et vente de drogue, etc. Bon, ils ont rendu ça ultra un truc mais pas addictif mais ultra rentable. C'est leur façon de faire tester les choses quoi. Ouais, voilà. C'est la meilleure façon en soi parce que demain ils mettent un truc, c'est claqué au sol, les gens vont pas le tester. On est d'accord. Demain tu dis aux gens que le rock c'est le truc qui te permet de faire un million en te touchant le up pendant une demi-heure, bah les gens vont y aller, ils vont chiant. Merde, il y avait une bonne question, il y avait je l'ai loupé, voilà, mon cerveau est tellement fatigué ce soir. Ça parle de PVP ici. Ouais, la régie, parfait, je t'entends parfaitement. Tonton David, bienvenue sur le stream. Vu la taille du verse, il y aura toujours des zones plus calmes. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a un viewer qui vient de nous dire est-ce qu'on peut espérer peut-être, je sais pas, des zones franches, des villes franches où ben voilà, on arrive et on doit déposer les armes à l'entrée. Alors, je crois que CID, justement, avait dit que non, maintenant, ça va être tout le monde a les armes de partout. Hein. Je sais pas si je dis des bêtises. Hugo, Super Panda. À leur ville, je crois que tu déposeras tes armes, mais après, tu peux toujours sortir tes poings et. Un couteau peut-être. Ou... ton adversaire. Hein. Mais ils en avaient parlé à leur ville. Ouais. Tu fais rentrer ça, tes armes. Il y a un chemin alternatif, ils avaient dit à leur ville où tu pouvais faire rentrer un peu. Voilà, c'est ça, un petit passage. Tu peux rentrer tes armes ici et tu flingueras tout le monde à l'intérieur comme ça. D'accord. Sur la séparation entre les zones PVE et les zones PVP, ça parle pas mal de PVP sur le chat. Je sais pas si vous avez vu la théorie de certains joueurs, que certains joueurs ont sur cette séparation entre des zones PVE et des zones PVP. En fait, certains joueurs ont remarqué que vous avez donc les deux gros blocs, le système solaire et Terra de l'autre côté de l'univers en gros. Et le système solaire, en fait, il est très proche des zones Vanduul. D'accord. Et il y a beaucoup de systèmes UE autour. Donc en fait, certains joueurs imaginent que les systèmes stellaires voisins du système solaire seraient des systèmes essentiellement PVE, où tu pourrais faire du PVE HL aussi avec les Vanduul à côté. Okay. Et le système Terra, il y a énormément de systèmes pirates autour de Terra. Et donc ils imaginent que cette zone-là en fait sera plus dédiée aux joueurs PVP avec les systèmes pirates qui sont autour. C'est une théorie de certains joueurs, c'est pas la mienne, mais certains joueurs ont remarqué cette petite limite entre ces deux grandes zones de l'univers. Donc on verra à terme ce que ça va donner. Mais Super Panda, j'avais une question. Est-ce que tu dors la nuit ou tu te renseignes H24 sur Star Citizen? Ah non. Je dors bien la nuit, ne t'inquiète pas. Ça va, ça marche. La bordure extérieure de Star Wars. Tu vois pas qu'il... Oula, Jake. Déjà... Oula, attends. Là, Tokyo nous a lâché. Déjà, pour le contexte, il faut le reward de piraterie en place. Salvage plus vol de cargo. Et après, tu mets les bounty à 100k, no joke. Ouais, mais voilà, faut attendre un équilibrage aussi. Je dis un peu ce que je veux dire, c'est qu'ils se font passer le message dans plusieurs systèmes. Les mecs seront blacklistés. Ok, bon, les gars, dans le chat, vous êtes très très chaud. Ça fait extrêmement plaisir. Du bout du monde ce soir, bonsoir tout le monde. Salut le café de l'espace, bienvenue sur le live de ce soir. Ouais, alors je sais que Hugo, toi ton style de stream actuellement, voilà, c'est plus le côté bon enfant, tu délires avec tous tes potes, c'est bien ça. Ouais, bah ouais, moi je me prends pas la tête avec le jeu. Je sais pas, je m'amuse. En gros, je le prends vraiment comme il vient. Je teste les dernières nouveautés et après, on réfléchit à quel gameplay émergent on peut faire avec. Ouais. Moi, j'aime bien toujours essayer de pousser les limites du jeu, voir ce que CIG a pas pensé. Et en plus, ça leur fait des rapports de bugs, donc c'est cool. Genre, la dernière fois, on s'amuse à prendre les missiles en tractor beam, ça fait planter tous les serveurs. Je l'ai posté sur Twitter, ils l'ont retweeté, je pense qu'ils l'ont regretté parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont testé et tous les serveurs ont dû planter pendant une semaine. Donc quand t'as attrapé le missile au vol, ouais, ça fait planter. Quand t'attrapes un missile, au bout de 10 secondes, 10-15 secondes, ça fait planter tout le serveur. D'accord, donc on peut te remercier pour ton gameplay émergent en fait. Ben, on prévenait les gens dans le chat avant en disant allez vous enregistrer ou finissez le cargo dans 5 minutes, on va faire planter le serveur. T'as le gros troll quoi. T'es un troll et un griffeur en plus, les gars, mesdames et messieurs. Ouais, voilà. On s'amuse, on est sur une alpha. Oui, on découvre ton vrai visage ce soir aussi, ça faut le dire. Voilà, après on fait des streams pétanques, on est tranquille aussi, je veux dire. Bien sûr, bien sûr.
Non mais par contre, je prends plaisir à découvrir tous les aspects du jeu. Et j'ai fait des events avec Nerin où on faisait justement des batailles PVP. Et je trouve ça trop trop cool aussi d'aller au sol, voir déjà comment le jeu permet des choses en communication avec la VOIP quand ça marche. C'est ultra immersif déjà, je trouve. C'est cool. Ok, non, d'accord. C'est sûr qu'il y a moyen de faire des choses déjà. C'est sûr. Il y a moyen de faire des trucs. Après, je sais que Hugo trouve beaucoup son plaisir justement dans tout ce qui est roleplay, etc. Ouais, c'est marrant. Donc c'est toujours une aubaine aussi pour nous à ce niveau-là. Maintenant, je pense que tout le monde trouve un peu son plaisir quelque part dans l'alpha. Il y en a qui trouvent leur plaisir dans le côté tryhard alors que c'est une alpha et que tout est rework du jour au lendemain. Et puis il y en a qui, au contraire, trouvent leur plaisir dans simplement le fait de se réunir une soirée avec ses amis pour aller au hasard faire une activité et que ça parte en sucette. C'est tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise activité du moment qu'on apporte en fait des bugs et qu'on fait des choses intéressantes pour les devs surtout. Moi, je pense que ça vaut le coup d'aller sur le jeu. Ok. Je voulais vous demander, est-ce que finalement, le gameplay un peu pacifiste et peut-être PVE va-t-il être créé par la communauté elle-même en fait ? C'est-à-dire que Nirin, tu l'as bien vu, nous on a fait des road racers. Ouais. Ouais, il y a eu aussi le démarre rallye. Ouais, Nirin, je sais, j'aime bien regarder dans les yeux de mon interlocuteur. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends, mais donc, attends, je me tourne pas trop parce que après je vais gêner Hugo. Hugo, tu peux voir. Je veux pas que mon siège imposant gêne qui que ce soit. Donc, exactement. La régie. Ah ouais, la régie. Bon, écoute, on n'a rien vu. Pourquoi il a des gants ? Est-ce que tu veux répondre à ça en direct ce soir ? Ah ouais, j'avoue, c'est une vraie question. Ça. Ah, c'est compliqué ça, c'est compliqué. Une autre fois. C'est compliqué ça, les gars, une autre fois. Non, mais voilà, pour revenir là-dessus, est-ce que vous pensez pas que le côté pacifiste va être créé aussi par la communauté comme l'est actuellement, hein. Il y a eu le démarre rallye aussi. Je crois que c'était quand la semaine dernière. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en avant, le côté PVE, par la communauté ? Alors, excuse-moi, parce que j'ai du mal à avoir le rapport avec le road racer. En fait, le côté vraiment road racer en soi, c'est pacifiste en fait. C'est vraiment le oui, côté, d'accord, ok. Ouais, mais regarde, ils avaient quand même engagé une sécu, quoi. Tout à fait. Alors, au final, on y revient, quoi. Voilà, fait. C'est ça. Et j'ai cru comprendre que pendant le démarre rallye, il y a eu de nombreuses attaques. La régie, je te laisse mettre en place. Parce que je crois, voilà, il y a entre autres un joueur français qui a fait des attaques durant ce démarre rallye. Et en fait, CIG l'a contacté durant l'événement. Je veux pas dire de bêtises. Non, c'est pas ça, la régie. Bon, je vais pas parler à sa place. Je me fais engueuler par la régie, reste cool. Mais, mais on va voir si ce joueur peut venir en direct. Pour expliquer un peu ce qui s'est passé et pour avoir la vision de CIG finalement, la régie, si on peut lui envoyer un message pour qu'il spawn dans le live et un peu expliquer ce qui s'est passé, montrer que finalement PVP, PVE sont entremêlés. Toi, Zvo, t'as participé au démarre rallye ou pas ? Non, mais j'avais une équipe sur place. C'est-à-dire une équipe des joueurs qui participaient ? J'avais un groupe de la Sombra qui participait et j'avais Goat qui castait derrière. Ils sont fait attaquer ou pas ? Non, ils ont pas eu de problème, je crois. D'accord, ok. Toi, Hugo, t'as pas participé au démarre rallye ? Non, j'étais pas là du tout ce week-end-là. Et par contre, c'est le genre de truc qui me fait marrer, moi, de participer à des courses. Ouais, pourquoi pas. On a vu ça. Ouais, je me souviens, Hugo Lisoire ramener la coupe à la maison du road racer. C'est marrant, c'est un gameplay qui est fun et... Et effectivement, je crois qu'on en a fini avec toi aussi, Super Panda, une des toutes premières courses que j'avais fait avec Zaltan. Je trouve qu'on avait trouvé fou aussi le fait qu'il y avait une guerre au-dessus en même temps qu'on faisait la course et que les forces de sécurité se battaient avec les autres vaisseaux. Enfin, c'était ultra impressionnant, quoi. Le décor était fou. Ouais, c'était génial. Ça fait partie pour moi de la course d'être sur ces gardes aussi. Après, le problème qu'il y a, moi j'avais participé à une autre course précédemment, il y a quelques mois. J'avais fini avec le cyclone renversé sur le dos, je ne pouvais pas se retourner, j'avais fini à l'intérieur de la planète. Bon, ça c'est un petit peu chiant parfois avec les bugs qu'on a toujours actuellement de collision, ce genre de choses. Mais bon, on n'y est pas encore, c'est pas au rendez-vous. Voilà. C'est un autre point que je comprends pas, c'est pourquoi ils. Pour l'occasion, ils n'ont pas alloué à des serveurs particuliers en fait.
Il y a des serveurs Evo, il y a des serveurs PTU, il y a des serveurs live. C'est un event qu'ils ont même travaillé sur un bug qui aurait pu cancel l'event. C'est un event dont ils font la promotion, il y a du sponsor derrière. Je sais pas pourquoi ils gardent pas ça doit être possible, j'y connais rien, je suis pas développeur, sais rien. Mais je trouve ça complètement con qu'ils allouent pas des serveurs pour ce genre d'occasion. Quoi. Pas forcément des serveurs qui vont donner à tout le monde, parce qu'il y en a certains, on les connaît, ils vont se planquer dedans et on les verra plus. Mais je trouve ça con de la part de CIG en fait. C'est la première fois, je crois d'ailleurs, non, qu'ils sponsorisent, enfin qu'ils font vraiment la pub comme ça dans l'event, non? Celui-là, je crois qu'ils font la pub régulièrement pour celui-ci. Il l'avait fait l'année dernière déjà. D'accord, ok. Je savais pas. Disons qu'il y a du taf derrière, tu vois, c'est pas l'event, à la Zub, on groupe à 50 et on va faire les. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est là, il y a un semblant d'orgas derrière et je trouve ça con qu'ils prennent pas ça en considération. En fait. Mais en plus, ouais, ils se sont un peu compliqués la tâche parce que si je dis pas de bêtises. Je crois que l'event s'est passé sur 15 serveurs différents. Hein. Ah, ça a duré longtemps. J'ai Goat, il a cassé jusqu'à 6h du matin, je crois. Ouf. Oh là là. Okay. D'accord. Ouais, okay. D'accord, ok. Je sais pourquoi je l'ai pas fait. Cyril Mayol qui nous dit il suffit de faire un groupe à 50. Ouais, effectivement, mais si t'en as un qui. T'en as 2-3 qui crashent, t'en as d'autres qui se glissent dans la brèche et qui te mettent l'event par terre, quoi. Je sais que Nirin, toi, à chaque fois que tu crées un event. Comme ça, tu prévois ce qu'il faut derrière en sécurité en fait. Constamment en fait, c'est vrai que comment dire. En fait, je trouve que c'est assez récent. C'est que mon point de vue. Après, je pense Svo et Hugo, vous qui avez l'habitude de streamer souvent des events et tout, vous avez sûrement, pouvoir me dire ça. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment récent en fait. Cette réalisation des gens que. Qu'il y a beaucoup de monde qui aime venir taper pour aucune raison, qui aime venir tuer. J'ai l'impression que c'est récent, alors que, enfin, que la prise de conscience est récente, alors que c'est pas le cas. C'est vrai que nous, des problèmes, on en a eu beaucoup et depuis longtemps en fait. Ça date pas d'aujourd'hui finalement. Les pirates ou simplement les stream stalkers ou n'importe qui, un random qui vient et qui a juste envie de te tirer dessus, ça arrive très fréquemment et très souvent. Et nous, ça nous est arrivé beaucoup de fois, donc c'est vrai que maintenant, ça fait, je pense que ça fait maintenant 2 ou 3 ans que constamment, dès qu'il y a event, il y a sécurité. Même si les mecs doivent jouer pendant 3 heures et tourner en rond et faire des rondes sans qu'il se passe rien, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas le choix en fait. Alors Nirin, tu disais, voilà, on se demande pourquoi les mecs viennent pour un rien. Mais en fait, on va demander, voilà, on a IKRZ dans le stream, là, voilà, il va spawn dans quelques instants. Donc, il va nous témoigner un peu ce qui s'est passé, parce qu'apparemment, il a eu un contact avec Ulf, je crois, si je dis pas de bêtises, il va nous en parler. Kalec qui nous dit, même sans parler de casser un event, Nirin, beaucoup de gens veulent juste passer à l'écran. C'est pas faux aussi. Débat, voilà, le côté stream snipe, hein, c'est ça en fait. Non, mais ce que je voulais dire, rapidement, après je te laisse terminer tranquille avec... ce que je voulais juste dire, c'est que j'ai l'impression que cette prise de conscience, plus des viewers, est récente en fait, enfin plus des gens qui viennent peut-être d'arriver dans le jeu ou qui sont récents sur le jeu, ne réalisent que maintenant qu'il y a du PVP en fait, et qu'il y a des gens qui se tapent dessus alors que... Ça a toujours existé et pas que sur SC, quoi. Ok. C'est pas d'aujourd'hui. Ouais. Comme j'ai dit avant, le jeu, je pense, à ses débuts, il a été trop survendu comme étant un jeu PVE, en fait. Le PVP, il a quasiment... Enfin, quand tu regardes les vidéos Star Citizen il y a 3-4 ans, le PVP, c'est vraiment un truc dont les gens parlent peu. Peut-être parce que soit les gens qui le cover sont pas des adeptes du PVP, ou peut-être parce qu'ils en ont fait abstraction et qu'ils étaient persuadés à l'époque qu'il n'y en aurait pas. Mais je pense que ouais, c'est la façon dont a été vendu le projet à beaucoup de monde qui au final n'est pas forcément la bonne façon. Mais en soit, nous, enfin, ça fait 3 ans que je joue à SC, 3 ans que je pratique. Chaque fois qu'on fait un event, il y a toujours de la sécu, des fois ça part en couille, des fois ça part pas en couille. C'est le jeu m'a pas voulu 7. Après, on est sur un MMO. Tu fais pas d'event dans un MMO, quoi. Tu prends le risque. Demain, je vais sur. Là, en ce moment, comme je dis, je joue à Concurrence Blade. C'est en gros, t'as une petite zone safe qui est toute ridicule. T'en sors, tu peux te faire ganker par 5 mecs. Demain, j'annonce dans le chat monde que je fais un event, que je peux voyager d'un point A à un point B avec ma pseudo escorte. C'est moi l'empereur, c'est moi le patron. Dans les 5 minutes, tu peux être sûr qu'on me court après. Oui. Okay. Ah, c'est pas possible. C'est pour ça que. C'est pour ça que Théâtre de Guerre, pour moi, c'est l'avenir éventuellement de l'événementiel sur SC, quoi. Ouais. Mais le verse faut oublier, sauf si tu te planques au fin fond de perpète les oies, et encore, toi, c'est même pas sûr que ça s'était planqué. Ouais. Quoi. Ça peut être éventuellement une solution. On va recevoir un trouble fait en direct, IKRZ. IKR, est-ce que tu m'entends? Je vous entends. Alors, salut Jack, salut Daredji, salut à tous. Salut.
Eh bien, bienvenue, bienvenue sur le live. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, voilà, ce qui s'est passé durant le démarre rallye? Et est-ce que tu peux te présenter aussi? Je m'appelle Iker, j'ai backé en 2018, je suis membre des Shadow Moses. Et concernant les ventes, en fait, c'est juste le délire de pouvoir se confronter justement à une sécurité d'un event qui est hyper bien organisé, de mettre en place des stratégies et de pouvoir se frotter voilà, à quelque chose qui est grand. D'accord. Notre organisation, on s'est préparé quelques semaines en avance. La priorité, c'était de trouver des jumps. Mmh. Et une fois qu'on a eu suffisamment de jumps, on a mis en place une stratégie pour avoir un maximum d'efficacité. D'accord. Plusieurs organisations pirates se sont mêlées à la lutte, on va dire. Ah, tu n'étais pas le seul, en fait. Ton organe n'était pas la seule à vouloir attaquer le démarralie, c'est ça? Non, bien sûr, il y en avait plusieurs. Ouais. D'accord, ok. Et finalement, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es allé attaquer de nombreux joueurs, de nombreux pilotes, en fait? Les pilotes, c'était pas la priorité. La priorité, c'était les escortes et la sécurité. D'accord. C'était plus pour chercher vraiment. Ça s'est plutôt bien passé de notre côté, on va dire. Ok, donc c'était plus vraiment pour chercher du combat et du fight que mettre à mal un event, par exemple. Exactement. Ok. Et alors, du coup, quels ont été tes retours? Est-ce que tu peux nous témoigner ça? Des retours, on n'en a eu pas tellement, à part en direct. On a Zilo qui nous a contacté via notre org leader Virgil. Ok. Au début, c'était un peu tendu, il y avait des menaces d'avertissement, de ban. Et en fait, une fois qu'on lui a expliqué en fait notre manière de procéder, il a vu qu'à peu près tout était legit en fait, qu'on n'a pas utilisé de stratagème comme le streamhack ou de usebug. D'accord. Et du coup, on a pu reprendre les opérations sans s'inquiéter de ce qui allait se passer par la suite. D'accord, ok. Donc finalement, vous avez peut-être pas eu l'accord, mais le laisser faire, le passe-droit de CIG en direct pour continuer à combattre un peu la sécurité du démarre rallye, qui est un événement quand même phare de Star Citizen en fait. Exactement. D'accord, ok. Est-ce que je peux poser une question à Iker? Bien sûr, Je suis très curieux de savoir quel vaisseau vous avez utilisé pour ça et avec quel armement. Comment vous choisissez en fait les vaisseaux que vous utilisez pour... On savait en fait que ça allait se passer sur une planète avec un peu d'apesanteur. Du coup, on a utilisé les chips les plus optiques, comme le Haro par exemple, ou le Talon. Et après, le loadout, ça dépend des joueurs à leur convenance. Bon, on va dire que ça va être plutôt sur des mantis ou des attritions. Ok, très bien. Okay. Et vous étiez confronté à quel type de vaisseau du coup, par rapport à la sécurité? Ils avaient quoi en face? La sécurité avait pas mal de vaisseaux, comme de Gladius, Haro, Talon, Vanguard. D'accord. Bon, ça intéresse peut-être que moi cette question, mais j'aime bien parler vaisseaux, donc voilà. C'est intéressant. Alors Iker, je voulais te demander, sur les 15 serveurs, qui avait été pas mis à disposition par Star Citizen, mais sur les 15 serveurs où se passait l'événement, combien tu as pu en infiltrer ou combien ton orga a pu en infiltrer? Alors nous, de notre côté, l'orga, on était divisé en trois groupes distincts pour pouvoir toucher justement un maximum de serveurs. D'accord. Et je pense que on en a fait au moins 5-6. D'accord. Ah, donc c'est pas mal, presque la moitié. Et vous avez pu mettre à mal un peu la sécurité d'en face? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que tu as eu un retour peut-être de l'organisateur du démarre rallye pour votre attaque? Pas directement, je pense pas. D'accord. Ou en tout cas, je suis pas au courant. Donc tu sais pas s'ils ont pris cette attaque du bon côté ou si ça leur a déplu. Je pense qu'ils le prennent mal parce que enfin, mal, tout est relatif, mais c'est pas la première fois que les Shadow Moses attaquent le démarre rallye. Donc, ils s'étaient préparés de manière très forte, on va dire, jusqu'à demander en fait aux participants de surveiller leur liste d'amis pour éviter un maximum de thèmes.
Ça n'a pas suffi malheureusement pour eux. Ok, d'accord. Toi Hugo, je te vois validé ou pas validé. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses du fait que voilà, il y a une attaque comme ça, ECIG prennent contact directement avec les fauteurs de troubles et finalement laissent faire. Est-ce que c'est rassurant pour toi ou, ouais, comment tu vois les choses? C'est rassurant. Moi, j'ai fait plein d'events où je me suis fait attaquer, etc. Et à chaque fois, je trouvais ça trop marrant. Je me souviens un des derniers, alors je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui sont, mais je crois que c'était le Bloc qui m'avait attaqué dans un événement RP. Ouais. Et j'avais trouvé ça trop cool parce qu'ils avaient joué RP justement. On avait discuté et tout, on avait négocié. Ils avaient tué 2-3 personnes dans mon carac et tout. C'était bien fait en fait. Ça rentrait directement dans le scénario et je trouvais ça trop marrant, tu vois. Donc toi tu prends du plaisir finalement, ça te donne du gameplay de quoi streamer. C'est du genre du spectacle quoi, ça fait des explosions, et les explosions c'est ce qu'il y a de plus beau sur SC pour le moment. Donc bon... Hugo, tu sais que tu sais qu'avec la régie, il y a peut-être plusieurs années, on t'avait attaqué avec un Hammerhead, je sais pas. Ah, c'est possible. Tu te souviens de ça? Ouais, ça fait un moment, mais ça fait très bien. On s'est ridiculisé une fois, on était genre 4-5 dans un Hammerhead, et il y avait un infiltré dedans, il nous a tous butés... Et on en reparle souvent avec les gars, parfois on se dit, oh là là, le coup de la Hammerhead, on s'est fait voler un Hammerhead comme ça, c'était ridicule quoi. Voilà, comme me dit la régie, ça laisse des bons souvenirs en fait finalement. Bah ouais, c'est cool, bah, ça fait de l'action dans un jeu qui est très lent. Ouais. Voilà, c'est après ouais, c'est clair, je pense aussi, voilà, faut pas focus, faut pas harceler bien sûr, il y a des limites à tout, mais c'est quand même, je sais pas, ça fait partie du jeu quoi. Et que le DMR Rally justement, quand j'entends Iker, je trouve ça très cool qui justement ça focus l'équipe de sécurité. Ils ont répondu, ils ont eu un fight. Moi je pense aux pilotes qui étaient en dessous, qui ont dû lever les yeux au ciel et qui ont dû voir des explosions dans tous les sens. Exceptionnel. Je pense que ça s'est dû être fou quoi, au niveau de la vue. Et, ah mais il a dû avoir de belles images. S'ils se font tirer dessus, ils ont dû tenter d'esquiver, etc. Je me souviens d'un Svo d'ailleurs, je crois que tu m'avais tiré au lance-roquette qu'on avait fait une course ensemble aussi. Ah oui, c'est possible. Ça. C'est marrant, tu vois. C'est possible. C'est marrant. Ok. Les gars, je voulais savoir si vous avez des questions à poser à Iker, pardon. Je vais juste donner mon avis perso. Ouais, vas-y. Le fait que Zilo les ait contactés, c'est inadmissible. D'accord. C'est le PU, c'est un espace public. Ils voulaient enfermer leurs joueurs pour toute sécurité. Ils faisaient ça sur des serveurs private. Ouais, ouais. Là, pour moi, c'est excessif en fait. Et le problème, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive ce genre de choses. J'ai des collègues qui à l'époque faisaient du PVP. Ils ont en Arena Commander, c'était il y a très longtemps. C'était à l'époque de la 2.6, je crois, ou même voire avant. Voire peut-être un peu avant, je sais plus exactement les dates. Ils avaient gank un mec qui streamait. Le mec qui streamait, il était copain avec le staff, quelqu'un du staff. Et ils ont pris le contrôle. Il y a eu des cas récemment qu'un streamer avait fait tout un speech pour pouvoir bannir des gens. Récemment, bon, il y a eu un autre cas encore, mais ça c'est une autre affaire. Je trouve que CIG s'implique trop dans quelque chose qui en fait, bah, ils ont aucun pouvoir là-dessus. En fait, c'est pour moi, c'est inadmissible qu'ils aient fait ça, parce qu'au final, ce qu'ils ont fait, Iker et compagnie, c'est du gameplay, c'est du putain de gameplay, c'est du metagaming, c'est de l'infiltration, c'est... Ils peuvent rien faire contre ça, sauf si leur filent des comptes spé et qu'ils mettent ça sur des serveurs privés. Nous, par exemple, sur CB, il y a des serveurs tournois. Bon, on fait pas ça avec nos comptes perso, on fait ça avec des comptes à part, etc., etc. Et ouais, je trouve ça inadmissible que Zio ait interagi là-dessus. Et là, justement, moi, je suis en attente d'une prise de com avec CIG par rapport à ça, en fait. C'est parce que, bon, ils ont peut-être eu l'avis des concernés par rapport aux récents events. Moi, je vais leur donner le mien. C'est-à-dire, je suis cessé chez eux, donc je suis entre guillemets un pseudo. Alors, j'aime pas ça parce que c'est à chier comme terme, mais je suis un pseudo représentant du jeu. Sauf que ben, ce qui se passe en ce moment, je suis pas d'accord en fait, je suis pas forcément d'accord. Et je pense que c'est mon devoir de leur donner mon avis en fait. Donc tu peux être un peu le porte-parole de certains. Une part de la communauté, du grand part de la communauté. Ouais, j'aime pas me voir comme ça parce que je vois pas plus qu'un autre quoi. Je suis juste bien devant sûr. Un écran comme un con tous les soirs. Mais tu en as la possibilité. À subir les mêmes bugs que tout le monde, à faire les mêmes merdes que tout le monde. Et mais sauf que bah moi, je sais pas, j'ai l'impression que certains leur vision est peut-être trop erronée ou certains s'imaginent que le jeu est à eux, que le jeu est pas à eux en fait. C'est le jeu, il est à tout le monde et le fait que Zilo prenne contact avec des assaillants sur un event qui se veut sur un serveur public, je trouve c'est inadmissible. Ok, d'accord. Non mais c'est bon à savoir, c'est très tranché. Toi Iker, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ben, sur ce que dit Svo, bien sûr, j'ai l'impression en fait que quand on dit qu'il y a un event en fait, j'ai l'impression en fait que l'event s'approprie trop le jeu en fait.
Et ça doit être l'inverse. Ça reste un jeu à terme. Il n'y a pas le MMO qui est implanté, mais ça sera un MMO. Et je pense qu'en fait, faut arrêter en fait, de voir comme les événements comme prioritaires sur le jeu, en fait. Nous, on est des mecs voilà, qui arrivent et qui voulons se fight, qui voulons jouer au jeu, tu vois. Donc, je pense que les interventions CIG sont moyennes, mais pour l'instant, ça fait partie du game. Je pense va y avoir des questions qui vont être posées sur pas mal de choses, notamment le PVP, sur le pseudo-griffing aussi. Donc, à voir la suite. Ok, d'accord. Bah Iker, je te remercie d'être intervenu sur le live. Et puis, bah écoute, n'hésite pas à repasser quand tu le souhaites, c'est avec grand Avec plaisir. plaisir. Allez, Merci à vous. merci, je te remercie Iker. Qu'est-ce que je Je voulais vais juste dire? ajouter un truc. Ouais, bien sûr. Si, je pensais à Zvo qui disait qu'il pouvait faire ça sur des serveurs privés, mais je pense qu'ils gênent CIG, c'est qu'ils veulent que l'univers soit cohérent et que tout se passe sur le même univers. Mais ils ont des outils de modération qui viendront peut-être dans le futur. Pour moi, s'ils veulent protéger le Daymar Rally, par exemple, CIG, ils font pop des Idriss tout le long du trajet. Et Ouais, comme ouais. ça, ils participent eux-mêmes à la défense, tu vois, sans devoir créer des serveurs Ouais, mais bon, en l'état actuel, privés. Oui, voilà là, c'est quoi. pas possible. Là, Je veux c'est pas dire, en possible. l'état actuel, ils arrivent à dédier des serveurs EVO, des serveurs Ouais. PTU, ils auraient très bien pu dédier un truc spécial juste pour ça, en fait. Comme dit, pas qu'ils le donnent accès à tout le monde tout le temps, parce que sinon ça va partir en burn et des gens vont rester planqués là-bas. Mais que, sous condition d'avoir présenté un bon dossier, etc., ils te donnent des Ouais, comptes. c'est vrai. Je pense que ça leur coûterait moins que de faire popper des Idriss à plusieurs points. 4 FPS pour la course, ça va pas. Non mais Ça. alors attends, il n'y a pas que Benou qui nous dit, et puis surtout pourront jamais le faire plus tard. On construit pas un jeu MMO de cette façon. C'est dans les choix du gameplay et in-game balance qui devront résoudre ça. L'ambition encore là de faire vivre ces deux communes PVE-PVP du gaming qui s'opposent de plus en plus, ben, c'est encore très challenge. Tout le monde sera pas très content de toute façon. Et ça va être accentué, j'imagine, lorsqu'on va avoir un début de serveur meshing Super Panda. Ah, tout à fait, c'est pour ça que le système de Devonland que je décrivais tout à l'heure est tout à fait pertinent. Tout le monde est mélangé, mais il y a des systèmes plus, on va dire, plus propices au PVP qui ne sont pas sécurisés, des systèmes plus sécurisés qui, là, le PVP sera plus limité. Donc, moi, ça me paraît être la bonne solution. Après, est-ce que CIG va choisir ça? Peut-être. Après, ça reste un MMO. Hein. C'est CIG, ils ont beau développer leur jeu depuis je sais pas combien de temps, et ci et ça, bon sens, je m'en branle. Mais ils seront pas révolutionnaires dans le game en fait. Il y a des MMO qui tournent depuis 15 ans, c'est des problèmes qu'on rencontre sur ces MMO encore aujourd'hui. CIG, c'est pas. Enfin, Robert, on a beau dire ce qu'on veut, hein, c'est pas le Messie non plus, quoi. C'est pas lui qui va régler tous les problèmes des jeux vidéo qu'il y a aujourd'hui. Et encore, si on peut appeler ça des problèmes. Hein, c'est. Des façons, il y en a plein en fait. Il y a le système que Panda utilise. Il y a toujours un système de. Ce système de gain-risque, évidemment. Hein, tu peux rester cloisonné en zone plus ou moins safe, sans prendre trop de risques. À côté de ça, tu peux t'exporter ailleurs avec beaucoup plus de risques, mais beaucoup plus de bénéfices à la clé. Il pourrait très bien. Enfin, je veux dire, il y a des jeux où tu as des zones plus ou moins safe. Où, bah, comme j'ai dit précédemment, ton gain est mini, mais à l'inverse. Et au final, c'est bien plus attrayant, je trouve. Parce qu'au final, pour finir sur un New World, comme dit, avec un PVP désactivable, où quand tu l'actives, tu gagnes un bonus de 10% d'XP, ouais, bah, tu m'excuseras, c'est flingax, quoi. C'est horrible, ça. Et moi, à la base, ouais, moi, ça me fait d'autant plus chier, parce que j'avais signé pour ce jeu-là, parce que c'était ultra PVP, etc., etc. Exactement, ouais. Bah, moi aussi, personnellement. Tiens, je voulais rebondir là-dessus aussi. C'est vrai que cette année, on a eu l'occasion de pouvoir voter dans le jeu et peut-être voilà, prendre un côté peut-être plus PVE, PVP. Voilà, il y avait un candidat qui, moi, m'a attiré. Je crois aussi que toi, Svo, c'était le La sale, salle, voilà. c'est le Ou la sang, lui, salle, voilà. c'est la famille, ouais. Le sale, c'est le sang. Il voulait faire du sale, voilà, c'est ça. Toi, Nérine, je voulais savoir, est-ce que tu avais pris part à ce vote? Pas du tout. Ah, ben, Pas très du tout. bien. Alors, c'était une période où j'étais pas trop là, donc pour le coup, non, pas du tout. Ok, d'accord. Mais toi, Hugo, t'avais voté ou pas? Non, moi, j'avais pas eu le temps de voter, mais C'est honteux, les gars. Ouais, mais en plus, moi, j'avais fait par contre le grand débat. J'avais invité Jean Massier. On avait analysé tous les programmes politiques. C'est C'était vrai? trop, trop bien. Ouais, on avait Ah, fait cool. un truc vraiment dans le lore. Et du coup, les viewers étaient contents parce qu'ils avaient vraiment tous on va Ouais, dire, ouais. les programmes d'exposé et comment ça s'ancre politiquement. Et par contre, je trouve ça intéressant le post de lore de Camille CIG mardi, je crois, qui dit qu'en gros, la nouvelle.
celle qui a gagné là n'a finalement quasiment aucun pouvoir parce que elle n'aura pas le Sénat avec elle, ça va être compliqué et qu'elle a fait des fausses promesses. Donc je trouve ça marrant. D'accord, ok. Mais c'est vrai qu'on a. Tant mieux, tiens. Attends, Zvo, je le sens chaud. C'est vrai que Hugo, personnage public, doit se montrer neutre, apparemment, mesdames et messieurs. Zvo, qui est beaucoup plus tranché, est-ce que tu veux donner ton avis sur les élections ? Moi, je trouve que ça a été biaisé parce que, bon, je sais plus c'est comment son nom à celle qui est sortie, mais globalement, c'est le programme, c'était les IA, c'était les machins, ouais. Et ça, je sais que c'est un truc qui attire à donf les gens. Mm-hmm. Sauf que CIG l'ont dit dans un autre post que les gens n'ont pas forcément lu, où ils ont dit qu'il n'y aura clairement pas de robots, les IA, ça va pas se surdévelopper, etc. C'est, en fait, ils ont quand même donné des informations sur les potentielles conséquences. Et ça, je pense que beaucoup de gens l'ont pas forcément lu, l'ont pas forcément regardé, et je pense que ça a biaisé le vote de plein de gens. Parce qu'en fait, encore une fois, on en revient au problème de SC, les gens pensent solo, c'est que CIG, ils te vendent des PNJ, ils te vendent des blades, donc les fameux trucs qui automatisent. Et là, les gens ont dû partir dans des délires, ok, je vais avoir mon R2D2, je vais avoir mes machins, je vais avoir mes trucs, alors qu'au final, bah, pas du tout. Pas du tout. Et, alors je pense et pour moi, c'était une des moins intéressantes en termes de candidat. Mais ça, ouais. ça fait un moment, hein, ouais, Super Panda, mais ça fait un moment qu'on sait que voilà, ils vont pas développer de robots, etc. Chris Roberts n'aime pas du tout cette idée-là. Mais... Le problème avec ESC, c'est qu'il y a beaucoup trop d'infos qui sont soit ultra datées ou qui sont planquées. Des fois, il y a des infos qu'on traduit avec GOAT, c'est des réponses de post-spectrum, c'est même pas des réponses officielles. Okay, et d'accord. Pourtant, c'est des infos qu'on a eues jamais ailleurs. On est obligé de fouiller sur Spectrum dans des réponses de posts totalement random parce qu'un mec soit il a été chialé ou soit parce que si. Et au final on apprend des fois c'est des mines d'or et le problème c'est que bah, beaucoup trop d'infos sont trop datées et les nouveaux qui se pointent bah, ils prennent le jeu comme il est et puis bah, ils font des rêves quoi. Comme on en fait tous hein. Quand Robert a vendu SC, je pense que vous avez tous fait vos rêves. Ah bah complètement, bah c'est pour ça qu'on est tous là ce soir et qu'on a tous baqué en fait. Je vois Super Panda qui dit oui, moi je veux rêver, Gros plus un à tout ce qu'a dit Nimir là qui était tout à fait pertinent. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord, Addison, celle qui a été élue, c'est celle qui avait le programme le plus léger de tous les candidats. Regardez tous les programmes. Si on mettait Zvonimir président finalement. Non mais la seule position d'Addison, c'était on va soutenir et encourager la recherche. Point. C'était le seul truc, alors que Charade, ma candidate à moi, qui a l'avantage de le seul vrai candidat qui avait un véritable programme économique. C'est drama là, les gars. Les infrastructures, elle proposait d'arrêter le projet Saint-Émond, qui nous coûte de l'argent tous les ans, chaque année, qui est un gouffre financier pour l'UE. Il faut absolument arrêter ce programme. Et c'est la seule candidate à proposer ceci. Et voilà, c'était pas un programme utopique, au moins contrairement à Addison là. Bon, bref, j'arrête. Ok, de la CTS skin pour Super Panda dans le chat. Il a besoin de se calmer, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, des médicaments de la CTS skin, s'il vous plaît. Pascal Pro, calme-toi. Ah là, mais je m'attendais pas à ça, tu vois. J'ai bien fait de lancer le sujet politique. Mais c'est vrai qu'au final, Zo disait, ouais, vous êtes fait enfumer, etc. Mais c'est un peu le but du jeu de la politique, en fait. Ouais. C'est ça, le truc. Un micro potable pour Panda. Non, mais non, il s'est défendu, il a tout donné. D'accord avec Super Panda. Payé grâce au fric de nos claims de chip. Oh, l'arnaque. Salut à tous, salut Nadji et Mini. Merci d'être présent ce soir. Non, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé ce côté-là. Je m'y attendais pas forcément cette année. Enfin, bien que ça devait être dans le lore que ça soit cette année. Hein. Mais je m'étais pas vraiment renseigné. Ça a été une bonne surprise. De voir que y a cet aspect-là politique, en fait. Hein. Politique qui peut emmener aussi à cette finalité de guerre, en fait, surtout dans un jeu comme Star Citizen. Donc, est-ce que ça viendrait pas renforcer l'idée que Star Citizen est un jeu de guerre ? Ça, Nirine, qu'est-ce que... Non. Avec le pouvoir qui a été élu, on ne sait même pas si elle veut la guerre ou la paix. Enfin, le problème, c'est qu'elle n'a pas le choix, en fait. La guerre, elle est là, en fait. On est dans un contexte de guerre, quand même. Y a rien. Elle a zéro programme là-dessus, c'est incroyable. Je comprends pas que les gens aient voté là-dessus. Le contexte, il est full bagarre en fait, le contexte. C'est, je sais pas, des bisounours. Ok, d'accord. Non mais c'est cool, ça fait réagir. Aussi de faire intervenir les joueurs. Non mais c'est vachement intéressant. Pour votre santé mentale, n'attendez rien de CIG. Espérez à la limite si vous le voulez, mais avec modération. Pas qu'avec avec le temps, on a appris à prendre ça en fait. Voilà. Les Vandoules viennent de me dire qu'ils s'en foutent de ce qu'on pense. Ah ça c'est à mon avis, les Vandoules n'ont pas besoin de politique pour venir nous défoncer dans le futur. Les autres, c'était une bande d'escrocs. Emerge et loupé live, Cloud.
Star Citizen, c'est la vie, c'est le jeu DayZ dans l'espace. Voilà, alors il y en a certains qui comparent vraiment ça à du full PVP quand même. Et c'est un jeu de cuillère de pomme, exactement, la triangulation en marche. Non, je sais pas, est-ce que toi Hugo, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose vraiment pour trancher pour toi? Est-ce que tu as une réponse vraiment après ce stream? Ou même avant, hein, je sais pas si ça t'a fait changer d'idée. Merci Pac pour les 10 abonnements, ça fait extrêmement plaisir, merci du soutien. Mais est-ce que toi t'as une réponse tranchée ce soir, Hugo? Sur est-ce que SC est un jeu de guerre? Pour moi, SC est un jeu qui autorise la guerre, partout, tout le temps. Donc c'est pour moi c'est pas un jeu de guerre parce qu'il autorise énormément d'autres gameplay, mais il autorise la guerre, donc ça en fait partie prenante. Ça en fait partie grandement. Et ça fait grandement partie, ouais. C'est quand même un des gameplays principaux de Squadron, donc ce sera forcément par copie un des gameplays principaux de SC. D'accord, ok, mais c'est bon. Il y aura moyen de faire des zoos et des cirques si vous voulez. Alors, j'ai la régie qui me dit qui va. Ouais, on pourrait terminer là-dessus. C'est un peu comme Star Wars, ça s'appelle la guerre des étoiles, mais on voit pas que de la guerre finalement en fait. Ouais, voilà, c'est bien dit. C'est très bien dit, voilà. Les gars, n'hésitez pas à reprendre cette phrase et à la faire voyager dans tout le verse. C'est un jeu massivement multijoueur dans l'espace où la seule règle est la survie. C'est pas mal ça aussi, les gars. On va écrire un livre d'or, hein, n'hésitez pas. C'est comme Altis Life sur Arma 3. Tu vois, moi je trouve que c'est un peu ça. Dans Altis Life, tu peux te faire buter à n'importe quel moment, c'est la guerre, et en même temps, tu peux cueillir des pommes. Je partage complètement ton avis. Star Citizen, c'est aussi un Animal Crossing dans l'espace. Il y a aussi du PVP, mais pas que. SC, c'est la vie, l'amour et la guerre. Il faut divertir les troupes. Toi, Nirin, je sais que t'es pro PVP. Est-ce que tu as un avis plus tranché que Hugo? Plus tranché, non. Moi, de toute façon, c'est pas une surprise. J'ai entendu plusieurs fois. Des gens qui affirmaient que c'était pas un jeu de guerre. Après, je pense qu'on a tous de toute façon notre vision un peu sur la chose. Et puis, il faut aussi savoir ce que les gens entendent par jeu de guerre, parce que c'est un. Pour moi, le débat est plus là peut-être sur la définition que les gens ont de ce qu'est un jeu de guerre ou non. Maintenant, moi, ma réponse elle est claire et nette. Oui, Star Citizen c'est un jeu de guerre, mais pas que. Mais oui, c'est un jeu de guerre. Ok, d'accord. Toi Super Panda, je te pose la même question. Est-ce que après donc ces 2 heures de direct, est-ce que tu as peut-être changé d'avis, ou est-ce que tu avais déjà un avis auparavant à savoir si Star Citizen est un jeu de guerre ou pas? C'est un jeu qui permet de faire la guerre, mais qui permet aussi de ne pas la faire, pour moi. Voilà. si je résume. C'est bien dit. Voilà. Et comme l'humain fait tout le temps la guerre, l'un dans l'autre. Voilà, toi Svo, même question, hein, voilà. Est-ce que pour toi Star Citizen est un jeu de guerre? Moi j'ai signé pour ça. Ah, donc, ça moi fait... c'est vite vu, c'est moi j'ai signé pour foutre sur la gueule au voisin, donc. C'est même mon gameplay à terme. Bon, là actuellement j'ai un gameplay qui est un peu à la zub, je fais tout, je fais des missions, je vais en prison, je tue mes teammates, je fais du minage, voilà. Mais à terme, je me vois comme opportuniste, donc je pense ni me caler dans l'UE, ni dans la full piraterie. Demain, je te croise Jake avec ton transporteur en secteur UE, je te fais coucou de la main. Ouais. Le lendemain, il n'y a pas de loi qui va m'embêter, je te fais un doigt et la flotte décolle du Kraken et on va voir ce que t'as dans la soute. Attends, même si je porte un costume costard-cravate, comme le dit Staff Puras. Ah ouais, c'est que de l'argent, c'était un costume. C'est pas faux, prochain stream en pyjama, les gars, voilà, moi je me fais pas attaquer par Zvo, mais... Et puis ouais, moi j'ai signé pour casser sur la gueule aux gens, quoi. Ok, toi Zvo, mais, si mais, tu... Ouais, mais on peut y faire autre chose, la guerre, il y a plein de façons de la faire, tu peux la faire de manière économique, tu peux la faire en faisant parler les canons, en soit, même les joueurs PvE participent à l'effort de guerre, le mec qui va aller miner, qui va construire, qui va raffiner, qui va produire, pour revendre, pour financer... Ces gens-là participent à la guerre aussi. Ok. Au final, le PVE indirectement participe à l'effort de guerre. Je partage, parce qu'en fait le PVE va nourrir ceux qui vont aller au PVP en fait. Entre autres. Ça c'est très important. Là je vais reciter Concurrence Blade, c'est le jeu du moment. Ah tu l'aimes, tu l'aimes ton jeu. Non mais c'est le seul jeu où je me fous sur la gueule en ce moment. C'est un point de comparaison. Et le délire c'est que pour réaliser certaines actions, il te faut un certain nombre de points et ces points sont définis par des actions PVE en fait.
D'accord, ok. Ah, pas que, hein, les actions PVP ont leur importance, mais certaines actions PVE te permettent de gagner des points sup en plus qui permettent de déclarer davantage de guerre, de contrôler davantage de zones, etc. etc. D'accord. On a besoin des deux en fait. Voilà, il faut que les deux soient en harmonie. Ouais, ouais. Toi, Zvo, si je dis pas de bêtises, tu es à la Sombra, c'est bien ça. Ouais. Donc finalement, le gameplay de la Sombra va être un gameplay de guerre, de PVP en fait. On va être opportuniste. On a tout. On a tout. On a des PVP players, on a des mineurs, la piraterie. On va sûrement taper dedans. Hein. Donc, voilà. On fera tout. Ça marche. Ouais, voilà, c'est ça. Captain Renko, tu sais que t'es invité pour présenter la Sombra à tout moment. Hein. Même si tu veux passer avec Svo ou avec un autre gars de l'Orga, c'est avec grand plaisir de présenter la Sombra. Toi, Hugo, je voulais savoir un peu, voilà, c'était quoi un peu ton actualité finalement? Bah, on vient de lancer le Lisbar Circus en orga. une orga qui est pro AUEC si vous voulez faire des virements. Non, c'est n'importe quoi. Ok. Ok. Donc, pas du tout jeu de guerre. En fait, tu fais quoi sur le plateau là ce soir? Parce que inviter un mec du cirque. Justement, moi je suis là pour vous dire que. Enfin, moi, mon avis pour l'instant, c'est qu'il est beaucoup trop tôt. La star pétant. On est en alpha, on sait même pas ce que le jeu. Franchement, dans 3 ans, ça se trouve, sera totalement différent. Le serveur meshing, quand ça va arriver, ça va tout changer aussi. Moi, j'ai aucune idée de comment ça va être après le serveur meshing. Ok, d'accord. Non, mais tu disais, voilà, c'est vrai que tu fais le cirque en ce moment, mais c'est pour ça qu'on t'a invité pour avoir ton point de vue, à savoir ce qu'on peut faire autre que la guerre, autre que des conflits. En vrai, c'est un bac à sable. Ils sont en train de le pousser. Ils l'ont dit à la release de la 3.12. Le but, c'est de faire un sandbox, bac à sable. Donc, à la fin, c'est les joueurs qui inventent les gameplay, quoi. D'accord, ok. Toi, Nirin. Oui, pardon, je voulais aussi parler, Hugo, de ton livre. Est-ce que tu peux un peu nous le représenter? Et ça date de sortie aussi, je crois. Attention. Ah, le 9, je vais pas faire la promo, mais je suis pas là pour ça. Attends. Le 9 février. On sort un livre, mais du coup c'est actualité espace, astronautique et astronomie. On résume toutes les... Des prévisions, c'est ça? Ouais, les dernières avancées qu'on a et on en tire les tendances sur ce qu'on pourrait avoir dans les 15 prochaines années. Ok, est-ce que t'as un code promo là pour les viewers, s'il te plaît? Non, j'ai pas de code promo. Voilà, tapez CTS Jack88, vous aurez 50% de rabais. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Toi, Nirin, c'est quoi un peu ton actualité là autour de ton orga, peut-être le futur, le stream? Je sais que tu t'es mis au stream. L'actualité, elle est toujours un peu pareille. Hein. On a démarré les streams, comme tu l'as dit récemment, parce qu'on a enfin une connexion internet décente qui permet de le faire, sauf quand elle est en panne. Ça fait déjà 3 fois, on va pas en parler, mais il y a les streams qui ont démarré, c'est super sympa, on fait plein de trucs marrants, et puis ça apporte une autre vision des choses, je pense, aux gens qui peut-être avant s'intéressaient un peu à ce qu'on pouvait proposer en termes d'orga pur, et qui se basaient simplement sur des courts-métrages qu'on a pu réaliser sur YouTube, qui sont totalement différents et éloignés de ce qu'on fait vraiment, évidemment, quand on est en jeu. Donc à part ça, voilà, pas grand-chose, hein, la N7 continue son chemin, les recrutements sont toujours ouverts, YouTube avance, Twitch aussi, et puis voilà, tout se passe bien. Y a plein d'événements en préparation, avec Hugo notamment, qui est là, ça se passe toujours très bien. Donc En pleine bourre la N7. Je bande mot qui dit, avec le code RASMOKET, recevez un report Twitch plus un report CIG. Ça, c'est très bien dit. Il y a des glissades en Star Marine, c'est rigolo. Ok, Daguil. Toi, Super Panda, quelle est ton actualité? Est-ce que tu peux mettre en avant Star Citizen dans jeuxvideo.com, s'il te plaît? Ah ben, on en parle quand il y a... l'actualité, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'actualité sur Citizen. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, on va pas se mentir. L'année 2020 est forte. Ouais. Mon actualité, aujourd'hui, j'ai acheté un entremets 3 chocolats à la pâtisserie qui était plutôt pas mal. Plus sérieusement, non, j'ai toujours ma petite corpo qui s'appelle JV Corp, qui est une corpo démocratique. La particularité, c'est une corpo démocratique. Et je peux pas vous dire trop ce qu'on fera à la sortie. On a juste voté pour le fait qu'elle est pro-UE. Mais est-ce qu'on va, dans quel système on va aller, quelles activités on va faire, ça, je n'en sais strictement rien. Parce que comme c'est une corpo démocratique, c'est les gens qui seront dedans au moment qui vont choisir. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas moi-même. Donc, ok, voilà, ça marche, pas de souci. Donc on découvrira plus tard. Ma peur qui nous dit, on a la rivière, méga hype pour le futur gameplay pêche plus Ricard. Ça serait bien le gameplay du go, ça.
Ouais, voilà. Hugo est très chaud. Hugo est très chaud. Demande l'avis sur les rivières. Ouais. Pardon, on a déjà eu votre avis sur les rivières, hein, que vous étiez super hype et que ça peut vraiment déboucher sur quelque chose de plus conséquent, comme tu disais, Super Panda, tout à l'heure, voilà, pour vraiment la création des planètes, etc. etc. Vous allez faire les démarcheurs de l'espace, toc toc toc, j'ai un laser gun à vendre, perche tracteur, concours de perche, Hugo à l'arrosoir aussi, c'est-à-dire Hugo, est-ce que tu veux nous parler de l'arrosoir, s'il te plaît? Non, non, c'est bon. Le mec la suit pas du tout. On a pas besoin d'en parler en fait, c'est tout. Ok, ok, pas de soucis. Bah les gars, je voulais vous remercier. Ouais, il sera dans le best-of l'arrosoir, on va aller chercher ça, la régie a noté là, t'inquiète. Mais les gars, je voulais vous remercier d'avoir accepté l'invitation pour parler d'un sujet un peu épineux. J'espère que vous avez apprécié. Et les gars, vous revenez quand excuse-moi, vous voulez sur le... Ouais. Excuse-moi Jake, t'as pas demandé à Svo son actu. Ah pardon, excuse-moi, ouais, Svo, excuse-moi. En fait, Nirin, il veut me remplacer, en fait, mais bien joué. Svo, me permet simplement. Non, mais t'as bien fait. Svo, il a pas le droit à son actu. Ouh là 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 là, quelle erreur. Moi, je vais me faire... Bah, il a dit qu'il allait me défoncer quand il me verrait en costume dans le verse. Moi, je lui demande pas son actu, les gars. Non, Svo, excuse-moi, quel est ton actu? Est-ce que tu as, je sais pas, des projets pour ta chaîne ou pour l'orga, etc.? Ah, en l'état, c'est compliqué, quoi. C'est ouais. Moi, c'est ça fait bientôt un an. C'est SC, j'y touche que quand c'est dans un état correct. C'est quand ça va pas, c'est je bazarde. Et au final, je n'ai jamais autant apprécié SC depuis que j'y joue, moi. D'accord, ok. Et je le vois sur mes stats de stream parce que je regarde beaucoup mes stats. Avant, j'étais sur du 90% de SC sur la chaîne. Là, je suis tombé à 60% par exemple. Ok, ok. C'est... Donc tu te diversifies un peu, quoi, finalement. Je me diversifie, mais je focus toujours à SC, mais quand il y a matière à faire. Si c'est pour tourner en rond et pratiquer les mêmes choses qu'on a déjà fait patch après patch. On va pas se mentir, cette année, niveau gameplay, c'était inexistant. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Niveau performance, pour moi, c'était la cata, je trouve. Ce qui m'empêche pas pour autant d'apprécier SC, hein. C'est la dernière fois, j'ai pas touché pendant un mois entier. Le mois d'après, j'y suis retourné parce que, comme une envie de pisser en fait, une envie de pisser pressante, j'avais absolument envie de jouer SC, quoi. Ok, donc t'es pas. Et en fait... pense que c'est la meilleure façon de vivre et de suivre le projet SC en fait, c'est de pas s'ancrer, de s'acharner dedans. Malgré tout, tu n'es pas lassé en fait de jouer au jeu en fait. Non, bah non, bah en vrai, quand j'en ai marre, c'est Alt F4 et je vais sur autre chose. Ok, d'accord. Toi Hugo aussi, j'ai vu que tu tentais un peu d'autres streams depuis un petit moment aussi, t'es pas focus principalement sur SC. Je suis pas focus SC, déjà je suis pas streamer, moi je me considère pas streamer du tout, donc je m'amuse quoi. Ouais. SC, je m'en lasse pas, j'ai toujours l'effet wow quand je reviens sur le jeu, c'est tellement impressionnant et immersif que j'arrive pas à m'en lasser. Mais The Forest Soon, ouais, on teste d'autres jeux. Ok, d'accord. Bon bah les gars, encore merci pour ce live. Vous revenez quand vous voulez. J'espère que vous avez apprécié le direct. Même si au début ça a un peu capoté. Hugo un peu fatigué là, on le sent sur la fin. Ouais, à tout moment il s'endorgue. Non mais pas de soucis. 5 heures de train aujourd'hui, je suis un peu naze là. Désolé. Pas de soucis. Merci en tout cas pour tous les follow, pour tous les subs, pour tout le soutien, pour toute votre participation les gars. N'hésitez pas à faire !Twitter pour nous suivre sur Twitter. !YouTube pour avoir notre chaîne YouTube, !Discord pour débarquer sur le Discord et discuter avec nous quand vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à suivre tous nos chroniqueurs du soir. Voilà, n'hésitez pas à envoyer aussi vos chaînes, vos liens Twitch, etc. Les gars, encore un immense merci à vous. Et puis on se retrouve pour la prochaine si ça vous tente. Bah avec plaisir, pour ma part en tout cas. Ouais, de même. De toute façon, nous on se verra avec Renko, je pense. Ouais, pas de soucis, avec plaisir. Voilà. On viendra présenter le cirque aussi, peut-être un jour. Alors, ça, je veux, Hugo, avec plein de vidéos. Ça sera plus pro. Oui. Alors, attends, Hugo, est-ce que tu peux venir si on t'invite, si tu viens présenter. Non, pas en caleçon, quand même pas, mais j'ai une idée. Si tu viens présenter le cirque, est-ce que tu peux venir avec un nez rouge? Ah bah ouais, habillé en clown. Allez, on se fera ça en RP. Pas tout de suite. Le pari est pris, mesdames et messieurs. Écoutez, on se laisse là-dessus, les gars. Je sais pas si on va faire un stream la semaine prochaine. On va essayer de pondre ça. En tout cas, merci à tous. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à la régie. Et puis on se dit certainement la semaine prochaine. On va voir ça.
Allez, ciao tout le monde. Ciao les gars, ciao. Ciao, merci beaucoup. Ciao.